fait partir le micro. Super, parfait. Bonjour à vous toutes et vous tous. Je suis ravie de vous accueillir ici à l'Académie du Climat pour cette matinée, hein, conférence de presse organisée par l'ADEME autour du lancement, hein, du guide de la communication responsable et de ce sujet, la communication face aux enjeux de sobriété. Mais avant d'en dire plus sur cette matinée, le contenu, je vais passer la parole à celle qui nous accueille, hein, Mélanie Habib, bonjour, qui est directrice de la communication de l'Académie du Climat où on se trouve actuellement. Et bienvenue à tous ceux aussi qui nous suivent en ligne, hein, sur la ADEME. Je vous en prie, Mélanie. Merci, oui, bonjour à tous. Bienvenue à l'Académie du Climat. Je suis Mélanie Habib, donc la directrice de la communication de l'Académie, une jeune structure qui a à peine un an, vient de fêter les un an de l'Académie. Et que j'ai eu le plaisir de rejoindre il y a un mois, après 20 ans passés en agence, les 10 dernières années en tant que directrice associée chez BETC. Je reconnais plusieurs têtes dans la salle. L'Académie du Climat, c'est une structure née d'une volonté politique afin de permettre à l'ensemble des acteurs du territoire parisien d'amorcer leur transition indispensable et rapide, si possible. L'Académie, comme son nom l'indique, a pour mission de transmettre des savoirs. Comme vous le savez, la communication descendante marche rarement, encore moins quand on parle de transition écologique. Donc une académie, mais une académie peu académique, avec des pédagogies innovantes, autour de trois piliers principaux, qui sont la transmission des savoirs au niveau des scolaires, avec une équipe de médiation propre à l'académie, et donc qui forme l'ensemble des scolaires du territoire parisien, avec un discours adapté à cette cible, et des contenus aussi produits par l'académie adaptés à cette cible. Deuxième pilier, l'accueil de professionnels du territoire parisien pour les former, les informer, échanger et surtout agir pour la transition écologique. Et enfin, des événements qu'on construit avec d'autres acteurs, par exemple la Fête de la Science, sur laquelle on travaille avec PSL et l'ensemble des universités du territoire. Voilà pour la petite présentation de l'Académie. Je vous souhaite encore la bienvenue et bonne présentation. Merci beaucoup à vous. Je crois que j'ai retrouvé mon micro entre-temps. Merci Mélanie Habib pour la présentation donc, de l'Académie du Climat. Donc, ravie de vous accueillir, si vous ne m'avez pas entendu, éventuellement ceux qui nous suivent en ligne, hein, sur la chaîne YouTube de l'ADEME pour cette matinée conférence de presse autour du lancement du guide de la communication responsable. Si je vous parle du contexte, évidemment, on voit bien une communication en pleine mutation, multiplication des canaux, du volume, des sources d'informations, la diffusion de fake news, la perte de confiance aussi généralisée envers les organisations, la mobilisation grandissante aussi des associations et des citoyens. Et face à toutes ces transformations, les professionnels comprennent qu'il n'est plus possible de communiquer comme on le faisait précédemment, surtout que évidemment les aspects sociétaux, sociaux sont davantage présents et la notion de responsabilité englobe de plus en plus de nombreux thèmes. C'est donc dans ce contexte que les éditions ADEME publient le guide de la communication responsable. Il est destiné à accompagner les communicants, les marketeurs, du privé mais aussi du public, et ça on va en parler durant cette matinée, et du secteur non marchand. Un guide était déjà sorti il y a presque 3 ans, mais il y a beaucoup de choses qui ont bougé indépendamment de la crise sanitaire, et c'était important de vraiment détailler. Je crois qu'il est beaucoup plus lourd, hein, et Valérie Bartin de l'ADEME va nous en dire plus que le précédent. Et puis la question de la sobriété est de plus en plus prégnante, et c'est pourquoi on a tourné, on va dire, cette matinée autour de ce sujet de la communication face aux enjeux de la sobriété. Donc ravie de vous accueillir pour cet événement. Je vous dirai un peu plus sur le programme dans un instant. Et puis, comme je disais, c'est en streaming sur YouTube, donc nombreux à nous suivre. Mais pour l'introduction d'abord de cette matinée, j'invite à me rejoindre Thierry Libard. Je vous en prie. Merci. Alors, je ne sais pas si le micro est branché. C'est en dessous qu'il y a un bouton, si éventuellement ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il est rouge? Est-ce qu'il est vert? C'est toujours le mystère du micro. Il fonctionne, on me dit à la régie, donc tout va bien. Bonjour, donc Thierry Libard qui a donc rédigé la préface, hein, de ce guide de la communication responsable. Alors vous avez beaucoup, j'allais dire, de casquettes, expert en communication, professeur, et vous êtes aussi président de la catégorie consommateur et environnement au sein du comité économique et social européen. C'est important de parler aussi de cette dimension européenne, on va en parler tout à l'heure dans l'introduction. Mais d'abord, déjà il y a 30 ans, j'allais dire, vous avez publié le premier livre francophone qui était consacré au sujet. Comment voyez-vous l'évolution en 30 ans du sujet ?
Il a explosé. Le sujet est vraiment venu de la communication environnementale. Il s'est élargi progressivement aux enjeux sociaux, sociétaux. Il est venu du marketing, il s'est répandu à la communication institutionnelle, à la communication événementielle, peut-être plus récemment à la communication financière. C'est un domaine sur lequel la sensibilité de l'opinion est de plus en plus forte. Un thème sur lequel il y a de plus en plus de régulation, voire de judiciarisation. Et puis j'ai un peu l'impression qu'on est dans la troisième étape de la communication sur les sujets de responsabilité. Il y a eu dans un premier temps la communication sur les messages où il fallait faire attention, éviter le greenwashing. Peut-être une deuxième étape où on a pris en compte davantage les aspects éco-communication, éco-socio-conception des actions de communication. Et là, on est dans ce que moi j'appelle la responsabilité élargie du communicant. C'est-à-dire, c'est vraiment le questionnement sur ma responsabilité du communicant face aux grands enjeux de la transition écologique. On est dans la salle des mariages. C'est vraiment le mariage de la communication et de la responsabilité. Donc, en plus, c'est un beau lieu symbolique. Un beau lieu symbolique. Alors, quel impact maintenant ça peut avoir ? J'en parlais aussi, on parlait du public, pour les entreprises, les collectivités aussi, et puis les consommateurs citoyens, si on veut les résumer ainsi, parce que comme je vous disais, vous êtes président de la catégorie consommateurs et environnement. Ouais, alors ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un sujet de fond, quoi. Parce que les impacts, les enjeux sont hyper importants pour l'ensemble des acteurs. Pour les entreprises, bien sûr, parce que les entreprises, par exemple, qui communiquent mal sur ces problématiques-là, qui font du greenwashing, on estime qu'un tiers d'une réputation d'entreprise, c'est les aspects sociaux, environnementaux, etc. Donc on voit immédiatement l'impact que ça peut avoir sur une réputation d'entreprise. Pire, ça a un impact fort sur, et c'est peut-être ça le plus insidieux, sur les entreprises vertueuses. Parce que les entreprises qui font de vrais efforts se font concurrencer de manière totalement illégitime par des entreprises ayant des allégations parfois outrancières. Et puis, aujourd'hui, il y a le CIVIPOF avec la Fondation Jean Jaurès qui publie son baromètre de la confiance. Vous avez tous vu que ça continue à décroître pour les grandes entreprises. Il n'y a que 41% de taux de confiance pour les grandes entreprises. Donc, c'est-à-dire c'est une méfiance généralisée, à force d'avoir le sentiment qu'on raconte n'importe quoi. Mais, et vous l'avez dit, quand vous parliez de consommateurs, ça a aussi un impact sur le consommateur. Si je peux donner un seul chiffre, il y a 68% des consommateurs qui... Alors, c'est vous fermez votre... En fait, quand on met le micro, j'en profite pour les autres intervenants, en bas, on coupe l'antenne. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut mettre la main plus haut. Je vous en prie. Allez-y. Voilà. Ah non, il a visiblement coupé le micro. Il refonctionne ? Ah voilà, parfait. Ouais, donc, un seul chiffre. 68% des consommateurs disent « Je prends en compte l'impact environnemental des produits quand je fais mes courses. » 68%. Mais 61% de ces mêmes personnes disent « Mais en fait, j'y comprends rien. » C'est-à-dire, je suis incapable de distinguer si l'allégation environnementale, elle est sincère ou pas. Si le produit, il est vraiment éco-responsable ou pas. Donc on voit que par rapport aux consommateurs, il y a aussi un impact important. Mais il y a aussi un impact sur la régulation globale de la communication et de la publicité. Parce que, à force d'avoir le sentiment qu'on raconte un peu n'importe quoi sur le sujet, le législateur, il est de plus en plus vigilant. Et il passe de principes déontologiques à une régulation qui va devant les tribunaux. Mais j'allais dire, peut-être, je vais conclure là-dessus, le dernier point, c'est sur la société. C'est-à-dire que, pour moi, une des problématiques, on parle du greenwashing, c'est que ça trompe l'ensemble des citoyens sur la réalité des efforts qu'il faut accomplir. C'est-à-dire avoir des publicités nous disant qu'il suffit d'un petit éco-geste ou de mettre une ruche sur le toit du siège social de son entreprise... C'est-à-dire ça nous met dans une ambiance où on a l'impression que les efforts ils doivent être un peu minimes alors qu'il s'agit de réelles ruptures. Donc on voit que les impacts d'une communication environnementale sincère, authentique, sont vraiment considérables. C'est considérable. Et vous avez parlé aussi du législateur. Alors qu'est-ce qui se passe aussi au niveau européen en la matière ? Alors ça, c'est nouveau. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il se passe quelque chose dans les institutions européennes. C'est-à-dire c'est la première fois, cette année... que la Commission européenne prend en compte les problématiques d'information et de publicité dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique. Ça s'était jamais passé avant. Et le 30 mars de cette année, la Commission européenne a publié une proposition de directive qui s'appelle « Empowering Consumers in the Green Transition »,
qui a vraiment pour but de faire du consommateur un levier de la transition écologique. Et comment ? D'abord par une meilleure information, information sur la durabilité, information sur la réparabilité, et puis création d'un socle commun au niveau de l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne pour dire les allégations environnementales trompeuses, voilà là où on ne peut pas dépasser, voilà les frontières. Donc par exemple, si le projet de directive passe et devrait logiquement passer, il a été voté à l'unanimité au mois de juillet dernier au Comité économique social européen. Là on commence, on est mardi, jeudi, les travaux avec le Parlement européen sur ce sujet-là. Ça veut dire que le sujet sur lequel on travaillait en France sur la lutte contre le greenwashing, il va maintenant devenir un peu une référence, un socle commun pour les 27 pays de l'Union européenne. Donc il s'est vraiment passé quelque chose. Il faut désormais compter avec l'Union européenne quand on parle de lutte contre le dérèglement climatique au niveau des pratiques de publicité et de communication. Voilà une nouveauté importante. Voilà, une réelle évolution finalement dont vous parliez aussi tout à l'heure. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette introduction, Thierry Libard, et nous avoir, on va dire, planté le décor du sujet de la communication responsable. C'est pas simple pour tenir, on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Et donc, je vais passer la parole pour en savoir plus, évidemment, sur ce guide à Valérie Martin, donc chef média et mobilisation des citoyens, c'est ça, au sein de l'ADEME, qui a coécrit avec Mathieu Jani, qui va venir bientôt sur scène, ce guide de la communication responsable. Alors, à qui s'adresse-t-il, ce guide ? Peut-être pour commencer, un très, très grand merci, parce que c'est un véritable travail d'équipe. À Mathieu, bien sûr, qui est notre co-auteur principal, et puis à Thierry, voilà, avec qui nous avons fait un trio extrêmement fort. C'est un travail important. J'aimerais aussi remercier, il y en a beaucoup dans la salle, mais il y en a aussi qui nous regardent aujourd'hui, les plus de 80 experts qui ont contribué à un titre ou à un autre pour faire de ce guide un guide de référence, un guide où on va pouvoir trouver énormément d'informations, on va y revenir. Et puis un petit message quand même important à Atelier Liken et à Loire Impression qui ont fait un travail remarquable dans des délais extrêmement courts pour pouvoir mettre en page et pour pouvoir imprimer ce document et voilà, faire en sorte qu'aujourd'hui on puisse le tenir entre nos mains. Donc voilà, voilà. Je le montre c'est physiquement important aussi. Cette partie promotion, hein, mais merci, merci, merci. Alors, donc à qui il s'adresse ce guide ? Exactement. D'abord, c'est un guide de référence, c'est un guide pour accompagner le passage à l'action des communicants, des publicitaires, des marketeurs, donc ils s'adressent déjà à eux, mais aussi parce qu'aujourd'hui, il faut mettre en place des politiques RSE dans l'ensemble des organisations et qu'à ce titre, le duo responsable RSE et puis communicant doit se renforcer. Ce guide s'adresse également aux responsables RSE et puis bien sûr, il s'adresse aux enseignants, aux communicants, aux enseignants et aux étudiants de l'ensemble de ces secteurs. C'était important pour nous d'en faire un guide pratique, opérationnel, mais qui permette aussi de donner des références également pour les futurs professionnels. Exactement. Alors, comment il est structuré ? Parce qu'il a son petit... Là, il a doublé de volume, hein, par rapport à ça. Alors, il ne se caractérise pas uniquement parce qu'il est passé de 200 à 440 pages. Et encore, je tiens à vous le dire, il a fallu qu'on s'arrête à un moment parce que Mathieu, il a dit, bon, bah stop, là, ça suffit. Remarquez, on était déjà... Le prochain, il fera 800 pages. C'est un peu l'ambition. Mais il est surtout structuré de façon un petit peu différente. On a aujourd'hui un guide qui est structuré en trois parties. Une première partie qui va présenter véritablement les enjeux, les controverses du monde dans lequel nous vivons. Et donc à ce titre-là, on parle des enjeux locaux, globaux, qui sont imbriqués. On parle également de la remise en cause, quelque part, du modèle linéaire et qui est drivé notamment par la publicité, par le marketing. Ça aussi, c'est un moment qui est... c'est une partie qui est extrêmement importante. On parle également de l'ensemble des informations, puisqu'on a un nouveau chapitre autour de la communication. Est-ce qu'elle fait encore rêver ? Avec ce dont vous avez parlé tout à l'heure, on est dans une société de la défiance, dans la société d'une société du doute. Et en même temps, on est dans une société qui est envahie par les fake news, par l'infobésité. Ça aussi, c'était une partie importante qui nous paraissait nécessaire, indispensable de mettre en avant.
Donc on trouve des éléments qui sont très différents par rapport à la première version. C'est vraiment une édition enrichie, augmentée. La deuxième partie, ça c'est une partie qui est quand même une deuxième partie qui est vraiment nouvelle, dans ce sens où avant elle était plus imbriquée dans les éléments précédents, dans la deuxième partie du guide. Là aujourd'hui on a voulu en faire une vraie deuxième partie autour des enjeux liés au marketing et à la publicité. Et on a voulu mettre en avant des enjeux à la fois pour expliquer ce à quoi les marketeurs, les publicitaires devaient faire face, mais aussi on a voulu mettre en avant des référentiels, des bonnes pratiques. C'est vraiment ça qui drive l'ensemble de notre action. Et puis il y a deux chapitres qui sont deux focus vraiment très différents. Un premier focus qui est la communication publique pour accompagner la résilience des territoires. Là aussi, on nous avait fait remarquer que peut-être dans la précédente édition, on ne s'adressait pas assez aux communicants publics. Donc notre volonté, ça a été de réparer ce point-là, parce qu'aujourd'hui, les territoires, ils ont à faire face à des crises qu'ils doivent gérer. Et les communicants ont un rôle majeur à jouer en termes notamment de pédagogie, de sensibilisation, d'accompagnement. On le verra tout à l'heure dans une des tables rondes. L'autre focus, c'est sur la communication pour accompagner la transformation des entreprises. Là aussi, c'est un enjeu majeur. On a souhaité renforcer cette partie-là pour comprendre que, oui, les entreprises se trouvent à l'aube d'un changement de modèle profond. Il ne s'agit pas simplement de remettre en vert un certain nombre d'actions. Et donc, là aussi, une autre table ronde qui nous permettra de l'expliciter. Je pense que ça fait partie des choses très fortes qui constituent ce guide. Et puis enfin, la troisième partie, parce que oui, on parle toujours de lutte contre le greenwashing, on parle toujours d'aspect opérationnel. Donc ça, c'est la troisième partie, elle est très concrète. Elle permet de parler de messages. On y a intégré un nouveau chapitre sur les nouveaux récits. Là aussi, on y reviendra tout à l'heure. Sur la lutte contre le greenwashing, on a renforcé les informations qu'on a pu donner, notamment parce que la loi climat et résilience, elle est là. Et puis enfin, on a travaillé toujours à donner plus d'informations pratiques opérationnelles pour quand on éco-conçoit une édition, un événement, une production audiovisuelle, un événement, et puis bien sûr des communications numériques. Et dernier point, nous avons gardé bien évidemment ce dont Thierry nous parle régulièrement, à savoir tout ce qui est lié à la gestion de crise. Voilà, donc ça fait un ensemble, un outil, un guide indispensable pour accompagner les changements de pratiques de l'ensemble des acteurs de cette sphère de la communication, de la publicité, du marketing, et renforcer la synergie entre spécialistes de la RSE et spécialistes de cette communication. Voilà, c'est ça, c'est un peu de cette façon-là dont le guide est construit. Alors vous allez nous parler dans un instant des nouveaux récits. Il y a un lien peut-être aussi sur lequel on peut se connecter, si je puis dire. Merci beaucoup Nathalie pour ce petit rappel à l'ordre. Le guide, on a voulu, parce que le guide papier, avec Mathieu et Thierry, on n'a pas décidé d'en faire une nouvelle édition tout de suite, qu'on se le dise très clairement. En revanche, forcément, nos sujets, ils vivent beaucoup, on l'a vu. C'est un sujet en perpétuel mouvement, on n'a jamais connu une telle accélération. Et donc, on a souhaité aujourd'hui mettre à jour et renforcer tous les liens, et mettre régulièrement en partage également les outils qui peuvent naître et qui peuvent vous être utiles sur le site communication-responsable.adem.fr. Et vous pourrez y trouver très régulièrement de l'information actualisée au fil de l'eau, de façon à pouvoir là aussi prolonger l'expérience du guide. Voilà un peu les informations. Voilà, je le répète, communication-responsable.adem.fr. Voilà, c'est toujours important de le repréciser. Alors, vous avez commencé à en parler un peu, Valérie, du programme de la matinée. Je le redis, le réexplique. Dans un instant, on va parler justement de la communication responsable au service du récit de la sobriété, puisque c'est matinée tournée autour de ce sujet de la sobriété. Vous pourrez poser des questions à l'issue de cette table ronde. On a des sujets assez dynamiques, donc vous verrez, on va pouvoir les traiter, mais c'est vrai qu'il y aura beaucoup de choses à dire ce matin. Ensuite, on fera un zoom en particulier sur les entreprises, puisqu'on a bien compris l'enjeu dont vous parliez il y a un instant. Et puis ensuite, une autre table ronde avec un zoom sur les collectivités, puisqu'on vous avait dit à quel point c'était important aussi de parler aux communicants publics. Voilà un peu pour la matinée avant d'arriver aussi à la conclusion.
questions, mais vous voyez, ça va être très très riche. Alors, on passe au sujet dont je parlais, et Valérie reste à mes côtés, de la communication responsable au service du récit de la sobriété, avec Mathieu Janic qui va nous rejoindre, et Gildas Bonnel aussi, et moi je vais me déplacer, comme ça vous aurez de la place. Je vous en prie, venez messieurs. Alors, normalement, vous avez deux micros qui fonctionnent sous la main. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir rejoint donc Valérie Martin. Mathieu Janic est donc consultant-chercheur en communication responsable, enseignant à Sciences Po un cours de marketing et de communication responsable pour les étudiants de Master 2 en com et en marketing. Et vous êtes donc, allez, Valérie le dit, hein, vous êtes co-auteur, mais auteur principal aussi de ce guide. Et donc, vous allez intervenir dans un instant. On est ravis aussi d'accueillir Gildas Bonnel, bonjour, président de CIDIES. Vous êtes aussi vice-président de l'Association des agences conseil en communication et président de la Commission développement durable. C'est ça, je ne me trompe pas dans mes titres? Non. Il n'y a plus de vice-président, ça va cesser. Et la commission s'appelle la commission RSE. Mais dans, voilà, le, guide, dans le guide, c'est très bien. C'est beaucoup c'est mieux écrit sur la slide derrière vous. Donc, président de la communication. Bon, en tout cas, vous êtes à l'agence, à l'association des agences conseil en communication. Je suis toujours chez CIDIES. Et vous êtes toujours chez CIDIES, donc tout va bien. Parfait, ben, vous allez intervenir dans un instant. Je commence par vous, Mathieu Janic, donc ravi de vous accueillir, parce qu'on parle de communication responsable et de marketing responsable. Qu'est-ce que cela implique, selon vous, pour les entreprises? Est-ce que vous pouvez nous donner, on va dire, des exemples d'évolution, quand même, puisqu'on l'évoquait dans l'introduction avec Thierry Libard? Ouais, donc déjà, en premier mot, je suis forcément ravi d'être ici. Merci Valérie, merci Thierry, on a quand même super bien bossé. Et ouais, je pense que vous pouvez le constater en feuilletant ce bouquin. Voilà, je suis un peu ému quand même, parce que c'était quand même beaucoup de boulot. Alors, ce qui change profondément, on a une prise de conscience qu'on vit sur une planète finie. Alors, c'est pas nouveau, je crois, mais... les entreprises commencent enfin à s'en rendre compte et ça va nécessiter un profond changement, une profonde transformation de leur manière de faire du business, de créer de la valeur. Et ça passe forcément par un rôle différent pour le marketing et la communication. Plus concrètement, dans le détail, ça veut dire déjà transformer leur modèle d'affaires, améliorer l'offre, la rendre plus compatible avec les enjeux planétaires et pas que le climatique, et aussi accompagner toutes leurs parties prenantes vers ces nouveaux modèles d'affaires. Et alors, quand on parle aussi, on l'a évoqué tout à l'heure en introduction, de greenwashing, paradoxalement, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a plus de greenwashing qu'avant? Si, parce que les entreprises font de plus en plus de choses, mais elles communiquent en général de travers. Et comme il y a presque besoin de communiquer, ou en tout cas de montrer qu'on fait, peut-être qu'on n'y va pas toujours très très bien, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a quelques entreprises qui ont peur de communiquer, qui reste silencieuse, et voilà, c'est aussi un problème. Mais la majorité essaie de faire savoir ce qu'elles ont mis en œuvre, et souvent elles le font de manière inappropriée. Il y en a plein qui connaissent pas très bien les règles déontologiques, et en général, ça nous donne une communication qui est inappropriée, qui peut être trompeuse. D'où l'importance vraiment de trouver le juste équilibre dans la communication. Alors, puisque ce guide aussi est destiné à les éclairer, quels sont les leviers pour parvenir, on va dire, à une juste communication responsable? Avoir conscience que une stratégie de transformation, c'est une démarche d'amélioration continue, qu'on n'aura jamais terminé de s'améliorer, qu'on aura toujours mieux à faire, que ce soit sur le volet environnemental, social ou sociétal. Ça veut dire le dire qu'on est en progrès constant. Exactement. Et une réflexion constante, il faut oser le dire, c'est ça? C'est ça, c'est avoir conscience de ça et du coup communiquer de façon appropriée en disant voilà ce qu'on a réussi à faire, valoriser les équipes qui se sont engagées, mais aussi garder en tête et ne pas hésiter à communiquer sur les difficultés qui ont été rencontrées, sur tout ce qui reste à faire. Ne pas communiquer non plus sur des actions pour lesquelles les enjeux sont mineurs par rapport aux grands enjeux de l'entreprise. Voilà, c'est avoir un peu cette posture d'humilité face aux enjeux et de jouer son rôle. Jouer son rôle, et on n'est pas seul aussi dans cette histoire-là. Il y a les fameuses parties prenantes dont on parle beaucoup. Oui, à commencer par les parties prenantes internes, donc les collaboratrices et les collaborateurs, et puis bien sûr tout l'écosystème des fournisseurs, des prestataires, et puis bien sûr les clients, des consommatrices et des consommateurs. Et alors, dans ces sujets-là, il y a les jeunes aussi, vous-même, vous êtes enseignant. Quid de la question de la formation aussi sur ces sujets-là? On voit clairement, alors avec tout un tas de mouvements, comme pour un réveil écologique ou l'événement Reboot, on voit une volonté de davantage intégrer les questions écologiques à l'ensemble des formations
universitaire et même scolaire. On a vu le rapport Jean Jouzel qui a été remis au ministère de l'Éducation nationale. Donc il y a un vrai enjeu de formation de l'ensemble de la population à ces sujets-là, et notamment de la filière communication, marketing, publicité, les étudiants, et aussi tout le volet formation continue. Voilà, faut pas oublier qu'il y a une grande partie des acteurs qui sont en activité et qui ont aussi besoin d'être sensibilisés, formés à ces sujets-là. Alors la communication, la formation, on va en parler aussi avec Gilles Nelsbonnel, à qui je vais passer la parole. Ce qui vous anime, j'allais dire, en ce moment, c'est la mesure carbone de la publicité et des médias. Quels sont les enjeux, selon vous ? Alors, désolé Nathalie, je vais d'abord dire en préambule que je suis très heureux aussi de voir ce travail de dingue que je n'avais pas mesuré, hein, parce que ce livre, vous avez vu comme il est précieux. Hein. Mathieu m'a rattrapé parce qu'il a vu que j'en avais deux. Il m'a dit, mais d'où t'en as deux ? Bon, voilà, ça c'est dit. Un petit coucou à Erwan aussi, parce qu'on avait dit qu'on le saluerait. Erwan qui a le Covid et qui nous regarde de chez lui. Voilà, Erwan Lecoeur, sociologue et politologue, qui devait intervenir sur la partie sur la communication publique. Alors j'ai cramé publique, mes 30 exactement. Secondes sur les 5 minutes. Donc ce que je veux dire en non, premier, ça va, c'est... on est bien dans le timing. C'est qu'au moment pas. Du Grenelle de l'environnement, quand on a mis en place la première commission RSE à la ACC, qui est le syndicat des agences de communication... On s'est dit, OK, c'est quoi en fait nos enjeux ? C'était à l'époque, je le salue, avec Pierre Siquier de FNH et de l'IGARIS. Et on a dit en un, l'éco-conception, en deux, la responsabilité des messages et en trois, la gouvernance de nos entreprises. Et puis au bout d'un moment, quand on a commencé à travailler un peu, parce qu'on a travaillé, on s'est dit, mais bon sang de bois, on est en train de se tromper d'ordre. On a mis les responsabilités des messages en un et on a remis l'éco-conception, donc l'éco-communication en deux. Et on a gardé la gouvernance en trois. Mais c'est intéressant je suis content de parler d'abord du sujet d'éco-conception et de mesure d'impact, parce que finalement, depuis le temps qu'on se retrouve ensemble sur ces sujets-là, je m'aperçois qu'il y a des générations, et je vois ici Caroline, Valérie, Richard, qui sont dans la commission RSE de la ACC, on sait qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent sur le marché et à qui on n'a pas parlé d'éco-conception, à qui on n'a pas parlé d'éco-production, d'éco-tournage. Je vois Sequoia dans la salle. Donc c'est vrai que nous, aujourd'hui, notre actualité, c'est la mesure carbone et la trajectoire carbone de l'activité de nos agences. Je vois aussi Sophie Rosé de l'UDM, on est tous arqués sur ce sujet-là, donc je voulais le saluer, parce que ça c'est un outil de transformation culturelle et aussi un manuel de bonnes pratiques, mais quand même tout ça doit tendre, outre la responsabilité des messages et la responsabilité qu'on a vis-à-vis de nos publics, à améliorer nos pratiques. Ça c'était le premier point, ouais. Le premier point. Alors l'autre point qui est en filigrane, c'est formidable. Hein. Ils ont peur de moi, j'ai l'impression. Donc, ce qui est en filigrane, c'est le sujet du greenwashing dont on parlait. Vous parlez du greenwashing 2.0. Oui, c'est ma marotte en ce moment. Oui. C'est ma marotte parce que avec Bon Pote et avec Point Réveil écologique, ce que nous sommes en train de constater, certains avec effroi, d'autres avec tendresse, c'est que la question du greenwashing, telle qu'on l'a conçue, nous, dans notre autorégulation, que mon ami Mathieu trouve trop molle, Valérie aussi, ça a quand même été de coécrire des textes, des recommandations, la recommandation publicité et développement durable, et ensuite de veiller à la juste application. Et donc, c'est toutes les allégations sur la globalisation, tous les sujets que vous, ici, vous connaissez par cœur. Mais en fait, il est en train d'advenir un autre greenwashing, une autre contestation. C'est ce que j'appelle le license to advertise. C'est le droit d'opérer, en fait. C'est est-ce que quand tu t'appelles EasyJet, tu peux mettre une campagne dans le métro ? Et là, c'est un basculement total pour notre communauté professionnelle et notre communauté d'experts qui est réunie ici. C'est comment est-ce qu'on va juger de ça ? Et quels sont les nouveaux critères ? Puisqu'il y a tout un mouvement dans la jeunesse qui interroge le droit à la publicité. Donc ça, c'est un sujet qui, à mon avis, va vous faire passer quelques nuits aussi dans les prochaines années. Finalement, Finalement, c'est est-ce que tout le monde a le droit de communiquer ? Vous avez 4 heures pour répondre. Oui, mais c'est un changement de regard. Ouais. Et ça pose des questions sur notre société et sur sa gouvernance, sur la liberté d'expression, sur le droit du commerce. Ça pose des questions tout à fait fondamentales. Et alors, on arrive au sujet de la formation dont je parlais aussi. Pour ça, il faut accélérer la formation. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Je rejoins ce qui a été dit par Mathieu. On a à la fois besoin de former les étudiants.
Je cite Reboot parce qu'on est très content avec Valérie et toi d'y participer, que c'est un mouvement hyper intéressant. Mais on a besoin de former, nous, les professionnels dans les agences. Je reviens à ma crèmerie, hein, dans les agences de communication. On a des professionnels qui rentrent et le boulot chez Havas, chez Publicis, dans toutes ces agences, c'est de faire en sorte que de passer tout le monde à la moulinette de la formation. Mais il faut aussi que ça redescende dans les écoles. Il faut aussi que les profs qui interviennent, tous les intervenants, et donc, hop, j'ai peur du temps, le cours de communication responsable qu'on a co-créé avec l'ADEME et la ACC, et qui a été porté par Valérie Richard, est un cours qui permet de faire synthèse et qui est en open source, si vous voulez y avoir accès. Alors, je vous poserai une question à tous les deux tout à l'heure aussi sur le sujet de la sobriété, parce que c'est en lien avec notre sujet, mais je vais passer la parole à Valérie Martin. Juste pour signaler, vous avez parlé de Pour un réveil écologique. Amélie Deloche, un membre de ce collectif, va intervenir en conclusion et suit tout ça de près. Donc Valérie, on va parler des nouveaux récits avec vous, puisqu'on voit justement que la communication remplit une nouvelle fonction, hein, c'est d'aider à décrypter, hein, les évolutions, mais aussi accompagner, impulser les changements à travers des nouveaux récits, de nouvelles représentations. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ces nouveaux récits? Peut-être que là-dessus, il faut peut-être partir déjà de la vision du monde que l'on a. On est dans une vision du monde qui date à peu près des 30 Glorieuses et qui nous dit consommer, c'est le bonheur. Ça, c'est la première représentation. C'est celle qui nous drive aujourd'hui. Et c'est celle qui n'est plus soutenable. Si je schématise, à l'opposé, on a des visions avec des gens qui ont une conscience de ce qui est en train de se passer et qui peuvent aller jusqu'à des phénomènes de type survivaliste. Au milieu, il va falloir qu'on crée un contre-récit. Celui de la résilience solidaire, celui de la sobriété. Mais il va falloir créer ce contre-récit, sachant qu'à l'heure actuelle, le récit qui existe, ce récit dominant de la consommation qui est le bonheur, ben il est quand même majoritaire et il fait qu'il y a des milliards de gens qui y croient sans voir nécessairement, sans mesurer l'ampleur des impacts environnementaux et sociétaux. C'est un gros travail de pouvoir participer, mais c'est de notre responsabilité à chacun et notamment à nous, professionnels du secteur de la communication, de participer à la construction de ce nouveau récit. Et ce nouveau récit, c'est quoi ? Un nouveau récit, c'est un récit qui va empuissanter le citoyen. C'est un récit qui va, lui permettre de se projeter dans un monde où la sobriété est désirable. Et où on n'en voit pas uniquement les aspects liés à la contrainte. C'est pas si évident que ça. Il faut avoir le ton juste. Un ton qui nous permette aussi d'être inclusif. Parce que là aussi, on dit un monde solidaire, on dit un monde sobre, on dit un monde juste. C'est important que l'ensemble de ces adjectifs soient bien pris en compte. Comment peut-on faire ? En projetant et en accompagnant justement des représentations qui sont beaucoup plus cohérentes avec les limites planétaires. Et non pas comme aujourd'hui, dans un monde de la, qui est représenté, qui est surtout une représentation de la surconsommation de ressources naturelles, de ressources énergétiques. C'est tout un ensemble de représentations sociales qu'il va nous falloir faire advenir. Nous sommes des êtres de récits. On a toujours vécu avec les récits. Et les récits, ils vont véritablement fonder nos valeurs, nos codes, et donc à partir de ce moment-là, nos modes de vie. Ces récits, ces imaginaires, c'est important, c'est comme un second réel. Et ça, c'est déterminant de se projeter dans cette dimension-là. Et c'est pour ça qu'on a voulu ajouter une partie dédiée à ces problématiques-là dans le guide de la communication responsable. Elle fait appel, enfin, Thierry le disait tout à l'heure, mais je crois aussi Mathieu, la responsabilité de nos métiers, elle est fondamentale, justement. Si nous nous mobilisons, et si nous mobilisons en particulier les talents créatifs que nous avons mis au service jusqu'à présent du récit dominant, pour justement les mettre, au service de la transition écologique, alors oui, on pourra dire que le secteur de la communication, de la publicité, du marketing aide à faire advenir cette nouvelle société.
Voilà, c'est ça un peu l'enjeu autour de ces nouveaux récits. Alors ça, c'est l'enjeu, mais globalement, les messages, les représentations qui sont partagées, notamment via la publicité, ne vont pas du tout dans le sens de l'évolution vers un monde, on va dire, plus sobre. Non. Alors comment on peut amorcer ce virage ? Non, c'est clair qu'aujourd'hui, les représentations dominantes, elles ne vont pas dans le sens de la sobriété. C'est une évidence, c'est une tautologie que de le dire. En revanche, on voit qu'il y a des choses qui commencent à bouger. Je pense que Thierry l'a bien rappelé tout à l'heure. On a vu depuis la première édition de ce guide, depuis 2020, le monde a bougé, le monde de la communication aussi. Et tout ça fait que on sent qu'il y a une volonté d'essayer de mieux faire passer un certain nombre de messages. On le voit dans certaines publicités, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est un mauvais jeu de mots encore à ce jour. Comment est-ce qu'ils peuvent faire concrètement aujourd'hui les publicitaires et les communicants dans leur ensemble, les marketeurs, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on mette tout sur le rôle des publicitaires. Je rappelle que là-dessus, c'est l'ensemble des formes de communication qui nous touchent, qui sont concernées et qui peuvent permettre justement de faire que concrètement nos représentations sociales puissent changer. C'est par exemple de montrer que les nouvelles formes de mobilité, des nouvelles formes de consommation, de production. Quand on met en avant l'usage plutôt que l'utilisation, quand on met en avant l'être plutôt que l'avoir, ça peut paraître des concepts. Néanmoins, aujourd'hui, concrètement, il y a une véritable source qui s'ouvre pour pouvoir inventer des nouveaux modèles de communication. Et à ce titre-là, quand on met en avant, par exemple, des nouvelles formes de mobilité, on le voit bien tout de suite en évitant de stigmatiser des comportements, en essayant de les rendre plus désirables, en essayant de permettre de comprendre pourquoi on va agir, que ce soit parce qu'on va proposer une nouvelle offre de mobilité, donc ces fameuses offres alternatives à des offres conventionnelles, ou que ce soit en arrière-plan, quand on va, par exemple, illustrer, une ville où on va pouvoir voir des modes de mobilité variés qui vont nous être proposés. Et à ce titre, j'aimerais aussi souligner des travaux, et on en parle largement dans le guide, que ce soit le guide d'entreprise pour l'environnement, et donc je salue Claire Tutenut qui est dans la salle, sur les représentations sociales, qui a identifié, dans ce guide auquel on a pu participer, nous avons identifié 10 stéréotypes et contre lesquels il faut combattre. Et ce guide s'adresse notamment aux directeurs créatifs, aux directeurs artistiques. Par exemple, l'hiver en t-shirt. Bon, cette année, l'hiver en t-shirt, je vous le dis tout net, à 19 degrés, je mets au défi qui que ce soit. Néanmoins, c'est intéressant. Regardez les représentations qu'il pouvait y avoir sur des publicités ou même dans les illustrations de nos magazines d'entreprise ou de collectivité. Voilà, il y a ce guide-là, je vous invite à le lire. Autre chose, nous avons sorti côté ADEME un avis d'expert. On a travaillé aussi avec Mathieu, un avis d'expert sur les allégations de neutralité carbone dans la communication. Là aussi, parler de neutralité carbone, c'est projeter un imaginaire trompeur sur le citoyen. Donc, nous avons proposé un certain nombre de solutions qui peuvent permettre d'amener d'autres formes de communication. Dernier point, donner des bonnes informations sur les labels, les logos. Thierry en parlait tout à l'heure. Et à ce titre-là, l'information du consommateur, elle est primordiale. On parle beaucoup de consommation responsable aussi dans ce guide. Et donc, à ce titre, on peut citer, par exemple, ce que l'on a fait avec un bon nombre de régies publicitaires. Il y avait TF1, France Télévisions, bonjour Xavier. Il y avait également M6, Radio France. C'est extrêmement intéressant puisque nous avons mis à leur disposition un cahier des charges qui permet de mettre en avant les bons labels que l'ADEME recommande. Voilà, c'est par toutes ces actions-là, des actions concrètes, et on les propose dans le guide, que l'on pourra faire advenir un nouveau récit. Et donc, on pourra accompagner la transformation à la fois des entreprises, des collectivités, mais aussi la transformation et faire passer à l'action les citoyens.
Mathieu Janik, peut-être voilà, prendre le micro. Il a déjà un micro, Gilles Das. Peut-être réagir à cette notion aussi de sobriété qui est en filigrane de cette séquence. Ouais. Oui, Valérie a beaucoup insisté sur les contenus, les messages, l'environnement aussi, des produits et des services qui sont promus. Moi, j'aimerais insister en parallèle sur les enjeux donc de sobriété, donc de réduire l'exposition à la publicité, la sobriété éditoriale aussi, c'est-à-dire en tant qu'annonceur, qu'on soit public ou privé, de quelle manière est-ce qu'on contribue au bombardement publicitaire, à l'infobésité. Et donc la sobriété, du point de vue des acteurs de la publicité, du marketing, de la communication, c'est aussi à quel moment est-ce que je vais pouvoir moins communiquer, mais avec davantage de sens, de contenu, d'humilité. Voilà, donc c'est aussi réfléchir en termes de volume et pas simplement en termes de contenu. Gilda, je pense que vous allez dans ce sens. Ah oui, aussi. Moi je suis complètement d'accord et ça me permet de rebondir, de reboucler avec la mesure carbone, puisque la mesure carbone c'est génial, au moins ça se voit. Et on travaille CDS avec Orange. Et Orange, c'est 1300 communicants dans le monde, donc c'est quand même un petit régiment, quoi. Quand on réfléchit à la mesure carbone, d'abord à la mesure des impacts, et qu'on focalise sur le carbone, bah, très rapidement, on se dit, il y en a trop, faut en enlever, quoi. Et le fait que existe dans l'organisation de la communication, d'une direction de la communication, existe l'individu à travers sa production, parce que ce qu'il fait briller, c'est t'as vu, j'ai pris un stand à Hawaï 2024. Ça pose une vraie question en fait sur nos métiers, notre rôle dans l'organisation, la reconnaissance qu'on a, et du coup il faut déconstruire. Oh là, c'est un mot à la mode, hein, vous avez noté, je pose le mot, ça aussi c'est à la mode, je pose le mot. Vous êtes un homme déconstruit, vous aussi. Ouais, me lance pas, Nathalie. Bon, enfin bref, c'est hyper intéressant de regarder comment ce qui paraît assez simpliste, qui est la mesure carbone et des indicateurs de la trajectoire de diminution des émissions carbone de la communication, pose ces questions d'infobésité. Et alors là, c'est direct, c'est on baisse ou on baisse pas, on débranche ou on débranche pas. Oui, moi, je trouve que c'est très intéressant. Alors, est-ce que ça suscite des questions chez vous? On a un petit temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas si ça vous inspire. On va vous passer un micro. Ou un témoignage, enfin ce que vous voulez dire, hein, n'hésitez pas. Voilà. Merci. Alors peut-être pas. Merci Valérie de transmettre un micro. Allez-y. Forcément, j'en profite. Bonjour Mathieu Delahousse, président de Sequoia. Je ne peux qu'adhérer à tout ce qui a été dit. J'ai une question et qui est plutôt un problème auquel je fais face tous les jours dans mon métier. C'est en fait la multiplicité des personnes dans ces situations-là qui sont impliquées dans cette démarche et qui donc se rejettent mutuellement la responsabilité, et ce levier de quand on a autour d'une table de réunion 12 personnes qui vont du DAF aux personnes responsables des achats d'art, etc., et que chacun, ou les personnes qui représentent le client, etc., et que chacun dit bah, c'est pas moi, c'est l'autre. Est-ce qu'on a une piste de levier pour mettre fin à ce cercle vicieux de c'est pas moi, c'est l'autre? Merci. Voilà, vous avez 2 heures. Pas simple. Moi, j'ai pas de baguette magique. Je pense que dans les organisations, il y a quand même un ou une boss. Voilà. Il y a quelqu'un qui est responsable. Voilà. Et donc, qui est responsable de son organisation. Et souvent, ce que l'on voit, nous, en tout cas, CDS, chez nos clients, c'est que ça se détecte assez rapidement. Hein. Les écosystèmes métiers qui créent comme ça du vide et de la non-décision, c'est, ça se voit rapidement. Donc la question, elle doit être adressée au boss. Aujourd'hui, il y a une question intéressante portée, entre autres par Lors, sur la position des patrons de la RSE. Je trouve que Valérie l'a dit en introduction, la question qui est posée dans ce guide, comme le travail qui a été fait avec Entreprises et Médias et le C3D, sur le lien entre les directions communication et la direction de la RSE, cette alliance-là doit poser la question de la décision. Mais tu connais, je sais ce que tu penses, tu sais ce que je pense, pardon. C'est très compliqué parce que le système, pour se défendre, il crée quand même un certain nombre de réflexes pour tuer, annihiler et fatiguer ceux qui essaient d'accompagner la transformation. clin d'œil. Peut-être juste un petit complément. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est de mettre en place des chartes de communication responsable ou des chartes éthiques, et donc de rentrer dans la co-construction, parce que je pense que c'est un mot important, de ces chartes et d'une trajectoire.
de communication plus responsable. C'est certain, on ne peut pas passer d'un moment où on ne faisait rien, brusquement on serait hyper vertueux. D'ailleurs, ça veut dire quoi être hyper vertueux? Et donc, c'est pour ça aussi, je n'ai pas réagi tout à l'heure sur ce que disait Gildas, c'est bien de mesurer, mais mesurer pour mesurer, j'y crois pas non plus. Il y a une trajectoire qui est d'amélioration qui est importante de définir. Et de ce fait-là, au fur et à mesure, de la démonstration quelque part qu'il peut y avoir un gain à s'engager dans des pratiques de communication plus responsables, petit à petit tout le monde se met au jeu. Et puis n'oublions pas, il y a les forces que représentent les salariés et en particulier les nouveaux arrivants qui ne sont pas nécessairement tous jeunes, je tiens à le signaler, mais qui est extrêmement important et qui va de toute façon poser, questionner l'ensemble de l'organisation. Et après, il y aura Claire Tutenu aussi qui veut ajouter quelque chose. Donc, on peut lui passer un micro ou nous faire je vous en prie, un commentaire. Allez-y. Ou une question. Allez-y. Moi, j'avais une question pour Gildas, parce que je trouve que chez EPE, on fait beaucoup de mesurer, c'est piloté. Et dans les grandes entreprises, on croit à la mesure. Et je voulais poser la question pour savoir si dans ces mesures carbone, il incluait du scope 3. Et comment ça marche? Parce que je pense que le scope 3 de la publicité est quand même la part la plus grande de son empreinte. Donc je voulais un petit peu comprendre jusqu'où il allait dans le scope. Alors, merci beaucoup. Scope 3 aval, je botte pas en touche, mais c'est pas le sujet maintenant. Pour répondre très rapidement, oui, non, mais je veux pas piquer la parole sur un autre sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce que font les acteurs dans le secteur. Et en tout cas, moi, je vais répondre pour la ACC. C'est on est sur un scope 1 et sur un scope 2 qu'on a défini comme étant l'agence et la production de l'agence. Le scope 3, pour nous, c'est la diffusion. Mais parce qu'on a reparamétré tout ça de façon à ce que l'outil, le référentiel de calcul, soit plus aisé pour les professionnels. Mais ça n'est pas le scope 3 auquel tu fais référence. Le scope 3 auquel tu fais référence, c'est ce qui est induit par nos actions de communication, et donc c'est la consommation et les usages des Français. Donc c'est pas un sujet qu'on peut attraper comme ça. D'aucuns disent, t'as qu'à prendre le bilan carbone de ton client et puis c'est bon, on en est là. Donc le sujet, c'est comment est-ce que nous, et on est là-dessus avec l'Union des marques, comment est-ce qu'on peut réfléchir à l'intégration de ce sujet de ce qui est induit, mais avec une difficulté à ne pas recalculer le carbone de l'économie française. Donc c'est un vrai sujet très tricky. Mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui, on est vraiment là, ce qu'on pilote, ce qu'on essaie de piloter rapidement dans la trajectoire, c'est notre production et la diffusion. Donc on est quand même assez auto-centré, on n'est pas sur le scope 3. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question? Parce que le sujet pourrait être très, 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 très vaste. On a encore deux tables rondes. Est-ce qu'il y a encore une question éventuellement? Oui, une main levée. On va vous passer le micro pour la dernière question, on va dire, de cette séquence. Je vous en prie. Oui, bonjour. Boris Butaille, Aide Communication. Moi, j'avais un petit questionnement par rapport à la formation, en fait. Parce que c'est vrai que quand on est, on va dire, dans le concret de créer des supports éco-conçus, on est de plus en plus approché par des écoles, dispenser de la formation aux étudiants. Et ça, c'est vrai que c'est des sujets qui sont très intéressants, mais j'assiste un petit peu à une sorte de schizophrénie, on va dire, à ce niveau-là, en termes de formation, entre d'un côté des étudiants à qui, tout le long de leur cursus, on va leur apprendre des façons de faire qui sont... on va dire, des façons de faire de l'ancien monde, hein, on va dire, et sur lesquelles, du coup, nous, on arrive en essayant de casser des choses qui ont été apprises par les étudiants pendant des années. Donc déjà, il y a ce problème-là, et il y a un autre problème qui est un peu l'insuffisance des moyens à mettre en face des besoins de formation. En fait, parce que notamment, je sais qu'on a été approché par un directeur d'école qui fait, dont l'établissement fait partie d'un groupement d'écoles et qui nous parlait d'un pool de 32 000 élèves à former aux enjeux de la communication responsable, quand même. Et c'est vrai que face à ces sujets-là, on se sent un petit peu démuni, en fait, devant l'ampleur de la tâche. Hein. J'ai l'impression d'être un peu comme... on va dire un artisan qui ferait de la rénovation énergétique des bâtiments, avec des besoins énormes et des moyens à mettre en face qui sont vraiment très réduits. Et du coup, ma question, c'est comment on fait pour s'organiser
un moment pour faire passer les étudiants à la vitesse supérieure sur ces sujets-là, parce que ça me paraît très très important. Mais merci pour cette question importante, et on voit qu'il y a... Il y a du travail, si je puis dire. Mathieu, oui. J'aurais bien sûr pas la réponse, hein, Boris, mais je constate qu'on est dans une progression, c'est-à-dire, comme dans les entreprises, on a eu d'abord la création de postes dédiés à la RSE, on espère qu'un jour ces sujets-là seront complètement transversaux et portés par chacune des salariés et chacun des salariés. On espère que dans les formations à la communication, ce soit la même chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vient encore avec un module par-ci, par-là, où on va parler de communication plus responsable, de marketing plus responsable, mais si 90% des autres enseignements se font de manière conventionnelle, c'est un peu compliqué, quoi. Donc il faut espérer que petit à petit, ces sujets-là soient pris par l'ensemble des enseignants. Donc il y a aussi un enjeu de formation de tous les enseignants dans toutes les universités et les écoles, et pour justement arriver à me prendre des cas pratiques qui ne soient pas que les best case de pub, mais aussi avec de la pub responsable, pareil en marketing comme plus responsable. Donc c'est un gros enjeu, et c'est sûr que 32 000, la filière, c'est combien, c'est 200 000 personnes dans la filière pub comme marketing, donc ça fait effectivement beaucoup de gens à former, sans parler tous les étudiants, donc c'est un gros chantier à venir. Ouais. Que de vendre du livre. Non, mais peut-être oui. Là aussi, le fait que il y a le travail que l'on fait avec la ACC, qui est un des modules qu'on est en train de remettre à jour là, en ce moment, et qui à la fin de l'année devrait sortir. Voilà, on y travaille avec Valérie, il y a le guide. L'objectif aussi sur notre site communication-responsable.adem.fr, c'est de partager aussi des ressources, de partager des outils, là aussi, pour pouvoir permettre d'être à la pointe et de partager des bonnes pratiques également. Je crois beaucoup au partage des bonnes pratiques. On en parle peut-être insuffisamment, mais ça, c'est une vraie force, je pense, pour comprendre qu'on n'est pas toujours dans le contre. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours des mauvais exemples qu'on dénonce. Au contraire, il y a des bonnes pratiques qui se font, il faut les mettre en avant, aussi bien dans les entreprises que dans les collectivités et même au niveau de l'État. Là aussi, le processus de formation des agents de l'État qui va démarrer sur ces questions de transition écologique, il n'est pas neutre. Parce que, bien évidemment, ça fait après, ensuite, il y aura des effets en chaîne sur la commande publique. Les travaux qui sont menés par les OPCO, par l'AFDAS, si je ne m'abuse, c'est bien ça son nom. Là aussi, en matière de communication responsable, il y a des choses qui sont en train de bouger. Donc voilà, il faut que ça s'accélère. Et des bonnes pratiques, vous en trouverez plein dans le bouquin, des nouvelles par rapport à la fois d'avant. Donc, et c'est parfait parce que vous faites le lien parfait avec les autres tables rondes, puisqu'on va voir concrètement des exemples de bonnes pratiques. Donc c'est parfait, plus rien à ajouter. Merci beaucoup à tous les trois, je peux vous applaudir. Merci. Et donc, comme je le disais, à présent, on va passer à la table ronde qui va zoomer, on va dire, sur les entreprises et la communication au service de la transformation des entreprises. J'invite Marie Chariou, Marion Andro et Ylvien Khaled Gaïji à nous rejoindre où vous voulez, vous installer. Je vous donne un micro parce que c'est mieux que vous ayez. Moi, j'en ai déjà un. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, de la même façon, vous pourrez poser quelques questions à l'issue de cette table ronde. Marie Chaillou, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, voilà, vous êtes responsable, même leader, je crois, c'est sur votre titre, hein, c'est ça, information, communication, développement durable chez Decathlon. Et vous allez nous parler de la démarche de l'entreprise, on va dire, qui est engagée depuis un petit moment, qui a peu communiqué sur ces sujets depuis peu, et comment vous vous emparez de ce sujet de la communication responsable. Khaled Gaïji, merci d'être avec nous, qui est président des Amis de la Terre France et qui a un regard, on va dire, très incisif sur la question de la publicité dont on a commencé à parler ce matin. Et puis Marion Andro, merci aussi d'être avec nous, qui est fondatrice de B-Side, une agence de communication entreprise à mission. Et vous nous expliquerez aussi notamment comment vous travaillez auprès de vos clients et comment vous voyez le rôle aussi d'une responsable d'agence de communication. Je commence par vous, Marie Chaillou, Decathlon. Donc, comme je disais, Decathlon est engagé pas depuis hier. Vous avez peu communiqué sur ces sujets jusqu'à présent. Évidemment, la communication, l'information peuvent être un vrai levier. Et en quoi ils peuvent jouer un vrai rôle dans la transformation, et pourquoi c'est important de communiquer selon vous, et de la bonne façon? Alors, pourquoi c'est important de communiquer? Avant de communiquer, en effet, ce qu'on a fait, c'est surtout d'essayer d'agir sur ces sujets de ces enjeux de développement durable, d'adresser nos propres responsabilités sur nos activités, la mesure de notre impact, la réduction de notre impact. Et donc le sujet, ce n'était pas forcément de communiquer, c'était d'adresser avant tout ces responsabilités. Et puis on s'est rendu compte en fait que par le biais des outils d'information, de communication,
il y avait là aussi un moyen d'accélérer sur ces transformations. Parce que quand on est une entreprise comme Decathlon, qui est présente dans 300 magasins en France, dans 60 pays, on a 90 000 collaborateurs, évidemment, on a aussi la responsabilité d'adresser ces messages auprès de nos communautés. Et c'est là où l'information, la communication peuvent permettre d'accélérer ces transformations-là. Donc au-delà de notre propre responsabilité, celle qu'on a commencé à prendre depuis quelques années, c'est aussi comment on accompagne nos communautés dans l'évolution des manières de consommer, dans l'évolution dans la manière de pratiquer le sport, par exemple, pour faire face à ces enjeux-là. Donc il y a une vraie notion d'accompagnement aussi, d'accompagnement au changement. Ouais, d'accompagnement au changement. Et en fait, on s'est rendu compte que, à travers justement le travail qu'on menait sur nos propres stratégies de développement durable, on disposait d'un certain nombre d'informations et de données qu'on pouvait rendre disponibles à nos clients, par exemple, pour accompagner ces changements. Quand on mesure l'impact des activités de Decathlon, l'impact des produits de Decathlon, on s'est rendu compte que rendre disponible cette information sur l'impact, l'empreinte carbone de nos produits, ça pouvait être un élément qui, dans l'acte de consommation et d'achat, permet d'éclairer l'impact des choix de consommation. Donc c'est ce qu'on a fait avec l'ADEME déjà depuis de nombreuses années autour de la note environnementale. Depuis l'année dernière, on a rendu disponible aussi l'empreinte carbone de nos produits, d'une partie de nos produits textiles, et on veut rendre cette information disponible sur de plus en plus de produits. Mais c'est aussi partager des messages autour des nouvelles manières de consommer, autour de l'occasion, de la location, des nouveaux usages. Oui, c'est proposer aussi des modes de consommation moins impactants, ce qui est aussi particulier pour une entreprise, tout type d'entreprise qui vend des produits, mais qui va aller vers un autre modèle. C'est là où ça accompagne en fait l'évolution du modèle. Aujourd'hui, Decathlon reste une entreprise qui est encore linéaire, on est en transformation, mais on a énormément à faire. Évidemment, on accélère sur des sujets comme l'occasion, la location, le fait d'inciter à la réparation, d'accéder à des pièces détachées pour justement être dans cette idée d'usage plus que de consommation. Donc on a beaucoup à faire, mais le fait d'accompagner aussi nos communautés dans ces évolutions-là permettent nous-mêmes de nous faire accélérer sur cette transformation-là. Et sur cette notion de progrès dont on parlait, vous pensez que c'est important pour vous de montrer, on a peut-être réussi quelque chose, on travaille sur autre chose, on avance aussi sur certains sujets, c'est important? Le sujet, c'est pas de montrer, c'est plutôt de partager. Il y a de partager avec nos clients et il y a partager avec les autres parties prenantes parce qu'on sait que pour adresser ces stratégies-là, on ne peut pas travailler tout seul. Quand on veut faire bouger une filière textile, quand on veut faire bouger une industrie, des modes de consommation, évidemment, on ne travaille pas tout seul. On travaille avec des parties prenantes externes, évidemment, comme l'ADEME, on en a parlé, mais d'autres parties prenantes, d'autres entreprises aussi pour créer demain des standards de communication qui peuvent parler aux clients et pas travailler chacun dans notre coin. Et donc moi, je pense que pour travailler avec d'autres, la première des choses, c'est d'être un minimum transparent sur ce qu'on fait. Donc de dire, bien sûr, là où on accélère, partager les bonnes pratiques, mais aussi d'expliquer là où on a des difficultés, là où on n'est pas au rendez-vous et là où il faut qu'on accélère. Et alors, comment vous voyez justement votre rôle, j'allais dire le rôle de la direction de la communication? Alors, la communication dans une entreprise comme Decathlon, pour moi, a une grande responsabilité sur ces sujets. Et on est sur un sujet de transformation. Vraiment, on est là-dedans, encore une fois, avec beaucoup d'humilité. L'ensemble de nos actions de communication ne répondent pas encore à tous ces enjeux-là. Et on est dans ces petits pas pour faire avancer le sujet. Donc, pour moi, le gros enjeu, c'est d'accompagner toutes nos équipes de communication. On en a partout dans le monde. On a des équipes de communication dans toutes nos marques. Donc moi, mon travail, c'est de mettre en mouvement toutes ces équipes communication pour répondre aux enjeux dont on se parle là. Je ne reviendrai pas là-dessus, on en a beaucoup parlé, il y a des enjeux énormes en termes de formation. Ça, c'est quelque chose de très important. Et de montrer en quoi la communication peut être utile. Pour moi, sur ces sujets, il faut avant tout être utile à nos communautés, à nos clients, dans les changements qu'ils sont en train de vivre. On n'est pas sur. Je pense que c'est aussi des sujets sur lesquels les indicateurs et les objectifs de communication sont différents des indicateurs qu'on a peut-être eu traditionnellement dans la communication et le marketing. Moi, en l'occurrence, j'anime beaucoup le sujet sur la notion d'utilité, en quoi on est utile au changement, en quoi on permet de faire évoluer les manières de consommer, les manières de pratiquer le sport, par exemple. Donc c'est une autre vision de la communication. C'est pas toujours simple parce que ça remet en cause des manières de faire historiques sur lesquelles on a l'habitude de s'appuyer, qui fonctionnent bien. Mais ça suppose de, en effet, se transformer. Alors, on va voir, merci pour votre témoignage du côté d'une agence de communication, un B-side avec vous, Marion Andreau. Donc, je disais entreprise à mission. Aussi, une entreprise vous-même en transformation. C'est vrai que vous adressez à vos clients, mais vous aussi, vous êtes en transformation. Et en quoi est-ce que cela impacte finalement vos choix?
Alors, le fait de devenir entreprise à mission fait que, effectivement, on s'est posé la question de à quoi on sert. Et la notion d'utilité, elle est vraiment au cœur parce qu'elle est inscrite dans notre raison d'être aujourd'hui. Donc, communication utile pour amplifier la transformation des entreprises au service d'une économie positive, très clairement. C'est une transformation de notre modèle en fait, stratégique. C'est une ligne stratégique qui fait que, nécessairement, ça interroge demain. Pour une petite agence comme la nôtre, on est 20 personnes, communication corporate à Nantes. Pour qui on travaille demain, quel type de projet et comment. Donc ça c'est majeur, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire évoluer quelque part notre modèle global. Et on a mis en place une méthode pour pouvoir évaluer ça de façon la plus objective possible, même si on a vraiment travaillé en co-construction avec l'école de design de Nantes qui nous a aidé dans la méthode. Parce qu'effectivement notre impact, il est chez nos clients. Très clairement, on est une petite agence, nous c'est 94% de notre impact est dans le scope 3. Donc voilà, et en fait, on veut adresser donc ça. Donc ça vous parle la question que vous avez posée tout à l'heure à Claire Tenuet. Bien sûr, et effectivement on va se dire, voilà, pour quel type de projet, quel type d'entreprise on va travailler. Donc à chaque projet entrant, si je décris un petit peu la méthode, si ça vous intéresse, pour chaque projet entrant, on va avoir une sorte de questionnaire, on va interroger l'entreprise sur sa démarche. Sur son projet de communication évidemment, mais aussi sur un certain nombre d'éléments qui va nous permettre d'évaluer la sincérité de sa volonté de transformation et qui va donner lieu à un go-no-go, c'est-à-dire qu'on est prêt à renoncer à certains projets ou en tout cas à répondre à côté de façon volontaire, parce que c'est notre rôle aussi en toute humilité, hein, parce qu'on se pose beaucoup de questions et j'ai bien aimé la notion de chemin que Mathieu donnait, parce qu'on voilà, on avance, et l'idée c'est qu'on avance aussi avec nos clients et nos prospects, mais effectivement quand il y a des éléments et quand il y a des écarts ou quand on sent une communication d'opportunité, parce que il y a des volontés de transformation réelles où il faut embarquer les équipes, où il faut embarquer l'ensemble des parties prenantes, mais aussi des communications d'opportunités. Et là, on peut revenir, on peut renoncer à certains projets. Pas mal en ce moment d'ailleurs. On a la chance donc ça veut dire s'il y en a pas mal, c'est qu'on parlait du greenwashing en introduction, c'est qu'il y a encore. Oui, alors il peut y avoir du greenwashing effectivement. Hein. Je peux donner un exemple d'une newsletter RSE. Génial faire une newsletter RSE, mais quand on creuse un petit peu et qu'on se rend compte qu'il y a une agrégation de contenus externes qui n'ont rien à voir avec l'entreprise, avec quelques placements de produits opportuns. Alors on peut revenir vers cette entreprise pour dire voilà pourquoi, peut-être que ça va faire différemment, mais effectivement il faut essayer de voir ça, et si on sent qu'il n'y a pas de sincérité, on n'y va pas. Après aujourd'hui chez les entreprises il y a aussi, et ça c'est notre rôle, il peut y avoir encore un peu une confusion entre une démarche RSE très interne à l'organisation et une transformation de modèle. Donc quand on vient nous voir aussi pour des communications RSE et quand on parle de ruches sur le toit ou de recyclage de silo, effectivement ça ne va pas, mais c'est logique. Mais de plus en plus les entreprises elles sont vraiment dans des transformations profondes de leur modèle, et donc ça c'est intéressant. Donc une fois qu'on a décidé qu'on allait accompagner cette entreprise, on a construit, alors avec l'ensemble de l'équipe, puis on est en train de l'expérimenter avec nos clients, une sorte de parcours. On a séquencé quatre grandes étapes qui sont la relation avec le client, la conception, la production et l'usage. Très clairement, en tant qu'agence, l'usage, c'était quelque chose qui existait peu en fait chez nous. Hein. Il y a quelques temps, on faisait un journal interne, mon travail était un peu terminé à la livraison chez le client, et puis vous étiez une entreprise de 800 personnes, j'allais vous proposer de tirer 1000 ex. Aujourd'hui, on va se poser la question de l'utilité. Est-ce que ce journal interne est utile? À quoi il va servir? Quel va être l'usage de ce document? Quel va être l'usage de ce livrable, etc. Tout comme les contenus web. Faire une série web pour répondre à une problématique, je sais pas, de marque employeur, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ces vidéos vont être vues? Est-ce qu'elles vont rester sur les internets pendant des années sans qu'on aille les retirer? Enfin, à un moment donné, il y a ces questions-là qu'on se pose dès le départ avec le client quand on décide d'aller sur un projet, pour un peu tout balayer, intégrer les impacts environnementaux, les impacts sociaux aussi, c'est important, parce que l'un ne va pas sans l'autre, clairement. On a vraiment beaucoup de difficultés
en revanche à mesurer l'impact carbone réel des projets. Là, j'avoue que voilà, on cherche, mais surtout en anticipation. Donc on est en train de regarder ça pour faire des choix éclairés avec le client. Et des choix finalement plus sobres, ça rejoint ce dont on absolument, parlait tout à l'heure finalement. Absolument. Mmh. Le moins mais mieux. Enfin moi, les notions de snack content ou d'une époque où il fallait diffuser un contenu parce que le content is king. Mais voilà, ça c'est pas forcément utile. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une transformation par rapport à ça. Donc effectivement, c'est essayer de trouver de faire des choix aussi avec les partenaires qui vont travailler avec nous, avec le client, pour essayer de trouver le meilleur itinéraire. Alors, on a eu deux exemples, on va dire, concrets avec vous. Je vais passer la parole à Raled Gaïji, un président des Amis de la Terre France, où il faut se passer un micro. Alors, on a eu là deux témoignages, comme je disais, d'entreprises qui sont engagées, qui font des choix, on l'a entendu, qui parlent aussi d'utilité. Est-ce que c'est suffisant pour vous ? Alors, pour nous, bien sûr, déjà, je tiens à vous remercier pour cette invitation, parce que j'étais là il y a 2 ans, et j'étais face à des personnes que je considère comme des lobbyistes. Aujourd'hui, je suis face à des acteurs du changement, donc c'est beaucoup plus intéressant comme échange, je trouve, qu'il y a 2 ans. Le contexte a changé, c'est une très bonne chose. Pour recontextualiser, en fait, pour nous, en gros, c'est pas que nous, d'ailleurs, c'est les chercheurs du GIEC, par exemple, qui le disent par rapport au changement climatique. Une auteure du GIEC, donc Yamina Saheb, co-autrice du GIEC, dit qu'en termes d'efforts de ce qu'il y a à faire en notre société, c'est une métamorphose totale et une véritable révolution intellectuelle et sociale qu'il faudrait. Donc, quand on parle des mots comme ça avec des chercheurs qui disent révolution intellectuelle et sociale, vous imaginez que les communicants ont un rôle décisif dans ce changement, et notamment quand on parle de sobriété aujourd'hui. Sauf que on a quand même des sortes de plafonds de verre, et moi j'aurais un regard plutôt critique par exemple par rapport à la question de la publicité, la publicité au sens commercial du terme, hein, bien sûr, c'est-à-dire qu'en gros le but quand même de la publicité, c'est quand même de faire surconsommer, vendre un produit. Et aujourd'hui, en fait, quand on regarde les contenus publicitaires qu'il y a, il y a des chercheurs qui en valeurs culturelles qui ont démontré qu'elles jouent un rôle en fait dans la construction des valeurs collectives, la publicité. Et une étude anglaise qui s'appelle Think of Me as Evil montre que aujourd'hui, en fait, les valeurs que l'on voit, en gros, on a 2 formes de valeurs pour faire vite, les valeurs intrinsèques qui s'intéressent en fait, les valeurs intrinsèques, elles reposent sur l'accomplissement de soi. Et les valeurs extrinsèques qui reposent donc sur la perception des autres. Donc, par exemple, la richesse, la beauté, des choses comme ça. Et ça, en fait, ça a des conséquences après en termes d'action. C'est-à-dire que les valeurs extrinsèques nous amènent à avoir des comportements plus antisociaux, anti-environnementaux. Je vais un peu vite dans le raisonnement, mais c'est grosso modo ça. Or, la publicité aujourd'hui, telle qu'elle est aujourd'hui, hein, je dis bien, elle amène en fait vers des valeurs extrinsèques. À titre d'exemple, Résistance à l'agression publicitaire, une ONG, a produit un rapport il y a 1 an qui démontrait qu'il y avait toujours aujourd'hui du sexisme dans la publicité. Et alors que les acteurs de la publicité ont dit qu'ils allaient changer, ou qu'ils étaient après MeToo, après Balanced and Agency et tout ça, or sur 165 publicités donc sexistes analysées, il y en a 81% qui ciblent donc le genre féminin. Les effets normatifs sont dramatiques parce que c'est quand même de la discrimination, des troubles de l'alimentation, de la consommation, de la banalisation de la culture du viol, même sans Photoshop, il y a quand même toujours des modèles de corps qui sont comme ça, de la mésestime de soi, etc. Donc du coup, on est vraiment toujours dans un système où en gros les acteurs eux-mêmes ne peuvent pas changer. Vous allez me dire, c'est normal, c'est ceux qui les font qui sont sexistes à la base. Nous pensons que c'est encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on est face à un système, et je pense que j'espère que je ne répète pas ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que le principe en fait d'influence de la publicité consiste à créer de la frustration, c'est-à-dire à créer en fait un déséquilibre psychologique qui nous donne envie de consommer un produit. Là aussi, je vais généraliser vite, mais il y a plein d'exemples qui le démontrent et des études de sciences cognitives qui le démontrent. Donc du coup, en fait, à ce niveau-là, donc le processus créatif va amener en fait à ça, et du coup va chercher à toucher l'inconscient et à utiliser en fait plusieurs stratagèmes qui amènent en fait ces valeurs extrinsèques, à se produire, parce que je pense certainement elles sont plus efficaces, hein, parce que je pense que les acteurs de la publicité sont des acteurs pragmatiques avant d'être des idéologues, et ils cherchent en fait à faire consommer les gens, ce qui est normal en fait parce qu'ils produisent des produits, ils doivent les vendre sur le marché. Il faut bien qu'ils les vendent, oui, de toute façon. Voilà, il faut bien qu'ils les vendent. Donc moi, je ne leur en veux pas du tout, mais sauf qu'aujourd'hui, à l'heure de la sobriété, à l'heure, en gros, on doit baisser les consommations. Par exemple, pour l'exemple vestimentaire, on consomme environ aujourd'hui 10 kilos par personne et par an.
En fait, si on veut respecter l'accord de Paris et rester dans les 1,5 degrés, on doit en fait passer à 1 kilo. Donc vous imaginez les efforts phénoménaux qu'il y a à faire pour une entreprise d'elle-même qui vend ses produits. En fait, si les règles du jeu ne changent pas, et Decathlon, ce n'est pas les pires. Hein. Les pires, c'est Shine, c'est le e-commerce et tout ça. Donc du coup, c'est des trucs comme ça où il faut amener des changements. Donc si on pose pas des limites... En fait, en gros, il y a un plafond de verre de façon à chaque acteur dans les entreprises. Si on ne pose pas des limites à ce niveau-là et qu'on ne régule pas le système autrement, on ne pourra pas changer assez vite. On mettra 300 ans peut-être à changer, mais aujourd'hui, en fait, il faut qu'on change maintenant. Alors, s'il faut qu'on change maintenant, vous dites qu'il faut changer les règles du jeu, changer les business models, on a commencé à en parler, mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le temps qu'on y arrive, si je puis dire, même si on peut espérer que ça vienne vite. Alors, moi, je pense qu'il y a une double stratégie à avoir. Donc, bien sûr, celle que j'expliquais, celle du changement de système qui vient par le haut. Il faut mettre pression, là, c'est le rôle des ONG, en gros, de mettre la pression sur les États, etc. Mais il y a aussi un autre changement de système qui peut venir par le bas. Ce changement de système, il peut venir par les acteurs eux-mêmes. Donc les acteurs eux-mêmes peuvent être des acteurs du changement et il y a plusieurs stratégies qu'ils peuvent adopter. Déjà, en fait, par rapport aux formes de publicité, il y a des formes de publicité moins alignantes. Par exemple, le opt-in est une forme de publicité moins alignante dans les stratégies de diffusion, ne pas imposer, ne pas agresser la personne dans la rue, ne pas mettre des choses sur des écrans numériques publicitaires dans la rue. Ça permet quand même de limiter déjà non seulement l'impact, mais en plus, voilà, la personne choisit d'aller vers le produit quand elle a un besoin, elle va le chercher beaucoup plus. Après, il y a aussi le fait d'informer de façon plus objective. Donc ça a été dit, ça vraiment, je trouve très bien. L'empreinte carbone, d'ailleurs, c'est une façon que je trouve très intéressante de calculer les choses. Là, je viens de remplir un plan climat, enfin une consultation pour un plan climat et énergie territoriale, et je trouve ça scandaleux qu'aujourd'hui on fasse des bilans carbone comme on en faisait en 2006, où on ne prend pas en compte l'empreinte carbone, donc qui ne prend pas en compte la consommation, qui n'importe pas en fait les produits de Chine, etc., ou la viande qu'on consomme. Il faut savoir que, par exemple, par rapport à la viande, il faudrait qu'on passe de 75 kg par personne et par an à 25 kg par personne et par an en termes de consommation. Donc, vous imaginez encore une fois les efforts. Et si on n'a pas une bonne grille d'analyse à la base, une bonne information, on ne pourra pas faire les bonnes décisions à la fin. Donc, ça, c'est une façon... Donc, le prix du produit, des méthodes plus objectives, en gros, en tout cas, d'information et de communication. Et après, je finirai en disant qu'il faut questionner donc, ce que vous faites, les conditions de coopération avec certaines entreprises au vu de leurs pratiques et de leurs produits et services. S'ils n'ont pas changé suffisamment, voilà, après, c'est à chaque communicant d'avoir son éthique, je pense, à ce niveau-là, à la lumière de toutes ces informations. Il y a des entreprises qui sont polluantes en fait, dans leur modèle économique en elles-mêmes, elles ne pourront pas changer d'elles-mêmes de toute façon. Et aujourd'hui, dans les ONG, ce qu'on appelle la stratégie de l'action en environnement, c'est la non-coopération. On peut choisir de ne pas coopérer avec certaines entreprises, avec certaines façons de faire. Et nous vous invitons à faire ça. Vous avez vu, je pense, les vidéos des jeunes là, de Polytechnique, sinon je vous invite à les voir, où ils ont dit qu'eux, ils ont fait le choix de déserter. Donc au bout d'un moment, si vous n'avez plus de choix, je vous invite à étudier cette option. Merci à vous pour cette conclusion. Est-ce que vous voulez réagir l'une ou l'autre, Marie ou Marion, à ce... Bon, moi, je rejoins ce que vous avez dit. On a parlé beaucoup aussi d'information avant de parler de communication, de marketing. Moi, je pense que la base, c'est quand même d'être dans une démarche et une vraie stratégie d'information. Donc, je rejoins ce qui a été dit là-dessus. Vous voulez ajouter quelque chose, Marion ? Non. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Voilà, il y a une main qui est levée. On va vous tendre un micro. Merci à Valérie de participer activement. Bonjour à tous. Je représente ici le ministère de la Transition écologique. D'abord, je voudrais remercier Valérie, Martin, parce que c'est un travail qu'on mène en commun depuis de longues années et c'est très précieux, ainsi qu'évidemment tous les contributeurs. Je voulais dire deux choses très rapides. Vous avez évoqué l'État à plusieurs reprises, donc la pression par le haut. L'an dernier, nous avons rédigé une loi climat qui a été jugée extrêmement décevante et en deçà des attentes légitimes de tous les acteurs. Je parle de la publicité. Et donc cette loi climat a fait le choix, en tout cas le législateur a fait le choix, de ne pas interdire, mais deux choses, informer, inciter. Et nous avons établi un principe qui s'appelle les contrats climat de la publicité. Et je voudrais remercier ici toute l'équipe qui est ici et qui travaille très très durement avec tous les annonceurs possibles, avec les distributeurs, et je me permets de remercier Decathlon qui a fait un très joli contrat climat. Je le dis parce que c'était pas du tout évident.
Et puis toutes les agences de communication et de publicité, puisque j'ai appris que c'était pas la même chose, donc on est rentré dans le secteur et nous avons appris à comprendre les différences de nature entre les différentes agences et les médias. C'est très difficile. Voilà, c'est très difficile parce qu'en fait, ce contrat climat, on a établi 4 chapitres. Et déjà en soi, c'est une très grande victoire d'avoir obtenu des chapitres et qu'ils ne soient pas totalement libres dans leur rédaction. Premier chapitre, les produits et services que je promeux. Deuxième chapitre, la façon de les promouvoir, c'est-à-dire les valeurs, les comportements et les modes de vie que je mets en œuvre pour les promouvoir. Vous n'imaginez pas ce que ça nous a demandé pour que le chapitre existe. Monsieur Bonnel, je vous regarde avec amitié, si vous me permettez. Troisième chapitre, la production de la campagne. Ça, c'est beaucoup plus facile. Dès qu'il s'agit d'économiser de l'énergie, d'éteindre la lumière quand on sort des toilettes et tout, il n'y a pas de problème. Quatrième chapitre, la formation des collaborateurs. Eh bien, les deux premiers chapitres, on nous a très violemment accusé d'être liberticide à la, et là je sors le mot, je pose le mot, à la liberté de création. Oh, que ne faisions-nous ? Nous allions orienter la façon dont on vend et dont on communique les produits et les services. Pas du tout, c'est totalement volontaire, vous l'avez compris ces contrats climat. Chacun y met ce qu'il veut, y compris rien. Voilà, mais je voulais juste vous dire que très souvent on dit que l'État fait vraiment du boudin, que c'est complètement nul, mais que font-ils là-haut, cette administration qui ne sert à rien et qui nous coûte très cher? Bon, elle fait parfois ce qu'elle peut. Merci pour votre témoignage, en tout cas sur ce point, on voit que ça n'a pas toujours été très simple. Est-ce qu'il y a une question supplémentaire? Ou un témoignage? Non, ça a l'air très clair pour tout le monde. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, on va vous repasser un micro. Vous voyez, il y en a un ici. Je vous en prie. Oui. Je peux s'y tester. Mais pour les gens, pour le contrat climat. Donc nous, on fait partie des ONG qui ont été très sévères envers les contrats climat. Parce qu'il faut savoir ce qu'il y avait avant. Oui, non, mais je n'en veux. Alors là, mais c'est pas vous qui êtes ministre, et c'est pas vous qui faites la loi, et c'est pas vous qui subissez. Non, mais je parlais à la PAC. Oui, mais je parlais de qu'à la base, en fait, ceux qui font la loi, à la base, ils avaient repris ce que la Convention citoyenne pour le climat proposait, sans filtre, entre guillemets. En fait, eux, ils proposaient plutôt une interdiction des publicités non climaticides, notamment donc les publicités pour les voitures consommées en plus de temps, etc. etc. Quand on arrive au bout et qu'on voit un contrat climat, vous imaginez que pour nous, c'est une grande déception. Basé sur un principe volontariste. Qui dit volontariste dit enfin nous on est plutôt pour que ce soit donc du coup plus obligatoire, mais ça c'est notre avis encore une fois en tant qu'ONG, c'est-à-dire qu'en gros qu'on oblige les entreprises parce que quand on oblige quelqu'un, ça va aller beaucoup plus vite que si on ne l'oblige pas. Donc ça, c'est vraiment une opinion qu'on a là-dessus. Et après, encore une fois, il y a des enjeux en fait énormes. Enfin, par exemple, aujourd'hui, on ne devrait plus avoir de voiture en ville. Les enjeux, ils sont là. C'est-à-dire que les gens ne devraient plus se déplacer quotidiennement en voiture. Donc les changements de mode de vie sont assez vraiment révolutionnaires. Et quand on est sur des éléments comme ça, à la hauteur du changement, en fait, ça ne va pas être à la hauteur selon nous. Après, on ne remet pas du tout en question le principe, c'est-à-dire de mettre en place des systèmes de transparence, on va dire, en soi. Par exemple, nous, aux Amis de la Terre, sur la loi devoir de vigilance, ça nous permet de regarder, en fait, au niveau de la responsabilité sociétale des entreprises, ce qu'elles mettent, ce qu'elles ne mettent pas. Là, on est en procès avec Total par rapport à leur projet en Ouganda, qui est complètement destructeur, et c'est grâce à ce type de loi. Sauf que, dans la loi, il y a une obligation, il y a une punition. Et ça, c'est très important, je pense qu'au niveau de l'État, d'utiliser ces dispositifs aussi là, face à des multinationales et des entreprises qui ont quand même des moyens plus puissants que certains États eux-mêmes. Voilà. Pour votre commentaire, est-ce que l'une ou l'autre voulait ajouter quelque chose ? Ouais, moi je voudrais juste ajouter, je pense, un enjeu dont on n'a pas parlé, mais je crois que sur nos métiers aujourd'hui, il y a l'enjeu aussi à créer, on a parlé des récits, etc., mais des messages qui rassemblent. Parce qu'aujourd'hui, on le voit sur un certain nombre de sujets, les choses sont très polarisées, et sur ces sujets-là notamment, ceux qui font bien, ceux qui font pas bien, ceux qui comprennent, ceux qui comprennent pas, etc. Et à travers les nouveaux récits, à travers des informations qui permettent d'éclairer sans être dans le jugement, parce que je pense que
le jugement ne facilite pas toujours la mise en mouvement, mais en tout cas d'éclairer, de faire comprendre et de rassembler, c'est des discours sur lesquels on peut s'aligner, pas chacun dans nos territoires, etc., mais justement en travaillant aussi ensemble sur ces sujets. Et juste pour terminer, pour avoir ces clés-là, moi j'invite tout le monde vraiment en tant que communicant ou agence de communication de former les équipes. L'ensemble de l'équipe est dans un parcours de 25 heures de formation, mais qui va au-delà de la communication. C'est-à-dire qu'on voit, si on veut être force de conseil, au-delà de faire une fresque du climat, il faut comprendre ce que veut dire neutralité climat. Il faut comprendre ce qu'est une limite planétaire, ce qu'est le plancher social, ce qu'est la biodiversité, l'impact. Non seulement ça donne du sens à notre action, ça nous permet de détecter aussi des possibles éléments de greenwashing, mais ça nous permet de donner du conseil sur certaines sémantiques qui sont employées, sur certaines actions qui sont proposées quand on vient nous voir avec on fait de la compensation, on va faire de la reforestation, c'est indispensable pour nous d'avoir les clés pour décrypter, pour dire attention. Alors ça ne veut pas dire qu'on va être des spécialistes, c'est pas notre rôle, mais en tant que communicant, c'est nécessaire quand même d'avoir cette culture, ce niveau culturel, de s'élever sur ces sujets-là qui vont au-delà de notre expertise communication. Et en plus, c'est passionnant. Ouais, c'est vrai, c'est important à souligner. Alors, je vous laisse 30 secondes parce qu'on a encore une table ronde derrière. Non, mais c'est pour finir sur une note positive. Je critique la publicité, mais pas la communication en soi. Moi, je pense que ce sont sincèrement des messages de sobriété dans un océan, en gros, des messages de sobriété dans un océan de publicité avec des injonctions contradictoires. Quand on a 15 000 stimuli commerciaux par jour, 2 000 publicités, ça va être quand même du peanuts. Mais globalement, si on met au régime une partie et que de l'autre côté, on déploie en fait justement des formes de communication très fortes. Nous, on n'est pas contre le col roulé. Hein. On trouve que c'est vraiment très fin. Non, mais vraiment, je trouve que c'est vraiment très bien de dire aussi qu'il faut s'habiller autrement, etc. Si on veut provoquer du changement, il faut aller plus loin que ça. Il faut prendre des véhicules intermédiaires. C'est pas normal que des... Les personnalités publiques ont un rôle énorme d'influence, je pense, encore plus que la publicité. Hier, j'étais au ministère des Transports, on discutait avec le ministre des Transports, et on disait, voilà, il y a certains de ses collègues quand même qui se baladent en SUV électrique. SUV électrique, c'est climaticide. Hein, c'est vraiment, au niveau écologique, c'est pas très bon. Au contraire, vous pouvez prendre des véhicules intermédiaires, comme les Twizy, comme des trucs comme ça. Enfin, il y a des trucs vraiment, il faut ringardiser l'ancien monde et en gros rendre, on va dire, plus beau et plus désirable la sobriété. Et là, les communicants, ils ont un vrai rôle à jouer. Merci beaucoup. C'est pas simple de vous interrompre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on va dire, sur le sujet, mais on a encore une table ronde. On peut vous applaudir hein, tous les trois pour votre intervention. Et donc, on en arrive, on va dire, un peu à une nouveauté hein, de ce guide dont on parlait avec Valérie Martin, parce qu'il s'adresse aussi aux communicants publics. Et donc, on va parler de la communication au service de la résilience des territoires. Ils sont deux à venir témoigner, Cécile Flamand et Laurent Riera. Je vous en prie, j'en profite pour me rasseoir avec vous, puisque nous ne sommes que deux. On passe un petit coucou à Erwan Lecoeur, qui normalement nous suit en ligne, hein, qui est donc politologue, enseignant à Sciences Po, qui malheureusement a été testé positif au Covid il y a 2 jours. J'espère qu'il va bien. Il n'a pas pu venir, mais en tout cas, j'ai recueilli un peu ses propos et je pourrais dire 2-3 mots aussi sur ce qu'il voulait dire sur cette table ronde. Cécile Flamand, merci beaucoup d'être avec nous, directrice de la communication de la ville de Gennevilliers. Vous allez témoigner dans un instant de ce que vous mettez en place. Et Laurent Riera, directeur de la communication de Rennes Métropole. J'ai eu le grand plaisir d'être la semaine dernière à Rennes. Très belle ville. Donc voilà, j'en profite pour le dire. Et très agréable. C'était ma petite parenthèse personnelle. Je commence par vous, Cécile Flamand. Donc vous, votre choix dans votre communication, et vous allez en parler, hein, c'est pas du tout de prendre un angle alarmiste, hein, vous allez nous le dire, mais vraiment de donner des clés pour un vrai débat avec les usagers, les citoyens. Alors comment vous vous y prenez concrètement à Gennevilliers ? Alors d'abord, bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Donc je suis directrice de l'information et de la communication, pas uniquement de la communication. Vous faites bien de le préciser. Du coup, dans l'information, ça... C'est indiqué sur le... Voilà, mais ça répond aussi peut-être à la volonté de ne pas être alarmiste, parce qu'on est là, quoi, je suis là pour embarquer les gens, et en étant alarmiste, en leur faisant très très peur, en disant qu'il n'y a rien à faire, on risque de les bloquer, de ne pas leur donner envie de participer au projet de ville, d'être donc sur des sujets qui vont leur donner envie de participer, de se...
de s'investir dans la vie de la collectivité. On va être sur des sujets où on va valoriser ce qui peut être fait au niveau local. On va tout le temps aller à la pêche, chercher des informations qui vont permettre de donner les bons gestes, les bons exemples, de faire partager ce sur quoi on veut emmener les gens. Donc on ne va pas être sur des sujets qui sont extrêmement qui vont mettre mal à l'aise et qui ne vont pas donner envie de participer. Par contre, on n'hésite pas à mettre quand même les pieds dans le plat, à poser des sujets. Quoi. En fait, on veut absolument donner aux habitants les clés du débat, leur permettre d'eux aussi s'investir dans la vie locale, de trouver leur place dans la ville, d'avoir envie avec nous de se poser à Gennevilliers, de construire la ville de demain, de s'interroger sur comment on y vit, qu'est-ce qu'on va mettre en place ensemble pour faire que cette ville elle soit vivable durablement, au niveau écologique, mais au niveau social aussi, avoir la possibilité de rester, de vivre dans cette ville populaire, de ne pas être relégué un petit peu plus loin encore de la région parisienne, parce que le prix de l'immobilier gonfle. On a ce travail d'accompagnement du projet politique qui est sur des valeurs progressiste, hein, où on essaye de travailler cet accompagnement. Là, d'ailleurs, vous avez une campagne de communication autour du nouvel art de vivre, c'est ça, avec quatre axes. Depuis l'année dernière, en fait, on est sur une campagne « Inventons un nouvel art de vivre populaire à Gennevilliers ». Donc, avec cette campagne, en fait, donc on a vraiment commencé avec des messages qui étaient très conceptuel, où on a essayé de, non pas de choquer, mais en tout cas, on posait les pieds dans le plat en disant, par exemple, Gennevilliers, notre choix de ville, ça veut dire quoi ? Ça peut vouloir dire des choses, mais ça ne peut vouloir rien dire aussi. Ou la ville de la frugalité heureuse, dans une ville extrêmement populaire, où les fins de mois sont difficiles, affichées sur des 4x3 partout en ville, la ville de la frugalité heureuse, c'était, j'allais dire audacieux, je ne sais pas si c'est audacieux, c'était audacieux, mais c'était en tout cas volontairement percutant. Donc cette campagne, on l'amène pendant 2 ans, on a décidé de l'amener pendant 2 ans, avec plusieurs étapes, en fait, on la décline en quatre étapes. Le projet, c'est bien de préserver notre ville, de préserver notre planète, de préserver notre projet en commun. C'est aussi d'aller vers, de faire avec et de faire débat. Donc faire débat, on a commencé aisément en mettant les pieds dans le plat. L'aller vers, on va essayer de s'adresser le plus précisément possible. Le plus précisément possible, je vais revenir un petit peu après, mais d'aller s'adresser aux personnes qui sont très éloignées de nos activités, de la chose publique, qui ne participent pas, qui ont déjà tiré un trait en fait sur la possibilité de contribuer à construire une société. Donc vous allez vers eux. On va vers eux. Donc on va vers eux avec des outils qui sont différents et variés. En fait, on a vraiment, vraiment beaucoup agi sur la proximité, en étant on décrypte les messages, les cibles. Qu'est-ce qu'on veut porter auprès de qui? Qu'est-ce qu'on a vraiment à leur dire? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire, mais finalement, on va pas leur dire, en tout cas pas tout de suite,
parce que sinon on se lancerait dans des campagnes 360 où on jette plein de bouteilles à la mer et puis en fait ça touche qui on arrive à capter, qui on arrive à embringuer dans le projet, finalement peu de gens, donc en fait ou pas nécessairement ceux qui étaient déjà éloignés, ceux qui étaient déjà convaincus, qui faisaient qui menaient déjà des actions, qui étaient déjà citoyens et habitants de la ville. Là, on va aller s'adresser donc à des personnes qui sont très éloignées de la chose publique. Donc, on a, par exemple, été mener des actions de communication avec. On a réduit le nombre On n'a pas réduit le nombre de supports. On utilise toujours autant de supports diversifiés. Mais après, en nombre de tirages, on a vraiment fait baisser les compteurs. On s'est aussi vraiment posé les questions sur, en utilisant l'outil de relations citoyennes, à s'adresser aux personnes si on voulait toucher des familles qui ne fréquentaient pas, par exemple, on a les bébés nageurs, c'est une activité qui est fréquentée essentiellement par des familles pas populaires, en fait, des familles qui habitent la ville ou des familles qui viennent d'ailleurs pour bénéficier de cette activité. Et en fait, les familles les plus populaires de Gennevilliers, ils réalisaient pas que cette activité pouvait être aussi pour eux. C'était pas tant l'idée des bébés nageurs, c'était l'idée de pouvoir mener une activité avec ses enfants et d'être sur du temps partagé, prendre le temps de faire les choses calmement, de se poser, d'accompagner son enfant dans son cheminement. Alors, je vais vous proposer de donner un dernier exemple, parce que vous voyez, on a le témoignage de Laurent Hiera. J'imagine que vous êtes passionné, évidemment, parce que vous faites. Alors après, j'ai parlé d'aller vers, le faire avec, on a... Donc construit. Donc là, un autre exemple, l'histoire des cours d'école. Donc oui, j'allais vous amener à cette question-là, parce que justement, ça permet de bien voir le rôle que peut jouer la communication et l'information par rapport aux élus aussi. Donc donner un exemple concret de ces cours d'école. Donc les cours d'école, on a un projet de végétalisation de l'ensemble des cours d'école, donc des imperméabilisations, des sols, lutter contre les îlots de chaleur en replantant des arbres également, et projet qu'on mène aussi sur l'égalité d'accès aux cours d'école, parce que entre les filles et les garçons, l'utilisation de la cour d'école n'est pas complètement équilibrée, si je peux résumer le sujet comme ça. Donc on a mené ce projet en allant vers les enfants, vers les communautés éducatives, les enseignants, les parents d'élèves, avec des cartes du sensible, en fait, où chacun a dessiné comment il ressentait la cour. Et puis après, on est allé vers des cartes des utopies, donc où chacun a pu construire sa cour rêvée. Et puis ces cartes des utopies ont été partagées avec les élus, avec les techniciens de la ville. Et là, on est arrivé à une séance de briseur de rêve où on s'est confronté les uns les autres à ce que on souhaitait de cette course, ce qu'on pouvait faire en termes économiques, en termes techniques, en termes... Et en fait, cette méthode permet des bouger assez importants dans ce que les élus s'imaginaient pouvoir faire avancer comme projet. Donc on a planté des arbres, on a imperméabilisé les sols, la biodiversité revient dans les cours, donc ça c'est, on peut se dire qu'on a collectivement tous progressé et atteint l'objectif. Par contre, sur l'égalité filles-garçons, on a eu un retour des enfants dans leur carte des utopies. Eux, ils voulaient une cour séparée en deux, avec un endroit où il y aurait un espace dédié au ballon, parce que comme ça, ils seraient tranquilles et le ballon ne serait pas partout dans la cour. Et là, on s'est dit, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on voulait, quoi. Et les élus ont été, ils ont bataillé avec les enfants pour faire valoir ce principe d'en commun, de gestion de la cour. Et en fait,
devant le ballon qui effectivement s'étale partout, roule partout, la décision, les enfants ont été entendus et il y a des espaces qui ont été, en fait, non pas pour sacraliser la place du ballon, mais pour l'encadrer et laisser... Alors le ballon n'étant pas que pour les garçons. Oui, c'est attention. Ce que j'allais vous dire aussi. Hein. Mais en tout cas, pour permettre d'autres activités, que d'autres activités s'exercent dans les cours. Voilà, c'était un témoignage aussi intéressant et une démarche voilà, qui prouve bien aussi cette approche un peu différente de la communication et de l'information. On va aller du côté de Rennes avec Laurent Riera, comme je disais. Même démarche à Rennes sur toutes les cours d'école. Et ben voilà, comme ça c'est parfait. Directeur de l'information et de la communication, j'ai oublié le mot à chaque fois, de la ville de Rennes et de Rennes Métropole. On va parler de panneaux publicitaires numériques hein, de rue, puisque la ville de Rennes a été précurseur en la matière. Et là, vous revoyez clairement vos choix avec le règlement local de publicité intercommunale. Pourquoi ce choix ? Alors, d'abord, comme tout le monde, je voulais vous remercier de m'avoir invité, mais remercier particulièrement l'ADEME, y compris d'avoir redonné sa place à la communication des territoires, de la communication publique en général et celle des territoires, puisqu'on recherchait des acteurs du changement. Les territoires, rappelons-le, sont des acteurs majeurs du changement, simplement parce que c'est des très gros investisseurs dans des équipements publics. Ce sont des autorités organisatrices des transports, ce sont des autorités aussi qui gèrent le ramassage des déchets sur les territoires, etc., etc. Ça leur donne quand même une importance singulière dans ces transitions-là. En tout cas, pour ceux qui ont pris conscience, je crois qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, de cette nécessité. Alors, pour revenir à votre question sur les panneaux numériques, oui. Alors pourquoi on les a enlevés ? Simplement parce que des élus qui sont ceux du conseil communautaire ont décidé à l'unanimité de voter un règlement local de publicité intercommunale, le premier à Rennes Métropole, et qui était de fait, après une très très longue concertation, d'abord des discussions entre eux, concertation de la population, d'à peu près toutes les parties prenantes de cette industrie des annonceurs et des opérateurs en la matière, De voter un RLPI, un règlement local de publicité intercommunale très dur, enfin assez ambitieux, je dirais, qui supprime les panneaux numériques à peu près partout sur la métropole, sauf dans quelques zones d'activité, mais sur tous les espaces de centre-ville et notamment à Rennes, et qui supprime à peu près tous les panneaux à 4x3, les mâts, ce qu'on appelle les mâts, alors je ne dirais pas le nom des opérateurs traditionnels, mais les 4 mètres carrés, etc., en ne conservant finalement de la publicité que dans les abribus, que dans le mobilier urbain. Donc ça obligera forcément les opérateurs à changer de modèle. On va voir si certaines répondent ou pas à notre futur marché en 2024-2025. Il y a quelques pressions qui semblent nous dire que ça va être difficile, mais on va voir, là, il faut avancer, on avancera. Alors, c'est effectivement dans une espèce d'incarnation du changement, puisque là, c'est vraiment une volonté, c'est de renoncer, puisque si on veut avancer, si on veut montrer un petit peu la volonté d'opérer ces transitions, il faut bien quelques exemples, en voilà un. 2016-2017, la ville de Rennes avait été la toute première à installer des panneaux numériques de rue, surtout en signant un contrat d'exclusivité avec Brut à l'époque, et ça avait fait un petit peu parler dans le Landerneau. Et nous avions considéré ce nouveau média comme un média de rue. Et donc nous avions réellement, en partageant le temps effectivement avec la publicité à 50-50 entre la publicité et l'information municipale ou publique, développer toute une production de vidéos verticales surtitrées, d'abord avec Brut, puis après en production locale, si j'ose dire, mais qui nous permettait vraiment de communiquer dans la rue. Alors dans la rue, de manière extrêmement efficace, on a pu le mesurer, puisque l'affichage de rue en général est le premier média d'information de la population, et l'affichage numérique permet de communiquer plus largement. Et donc nous l'avions extrêmement utilisé, et nous en avions un bénéfice direct tout à fait mesurable. À un moment, effectivement, la décision, la discussion se pose. Les élus rentrent en réflexion sur ce média-là. Ça se fait après le Covid, à un moment où les prises de conscience s'accélèrent.
Et effectivement, à l'issue de cette concertation, la décision est prise de supprimer ces panneaux numériques. Donc là, on est vraiment dans l'incarnation du changement. Incarnation du changement qui est liée globalement aussi à des démarches sur le numérique responsable hein, chez vous. Alors, la raison, évidemment, je répondrai à votre question. La raison de ce changement-là, de cette décision de suppression, non seulement des panneaux publicitaires, mais de très forte réduction de la présence publicitaire dans l'espace public, sur les 43 communes de Rennes Métropole, c'est un bassin de 500 000 habitants à peu près, obéit évidemment à une nécessaire réduction de la consommation énergétique, mais aussi à une amélioration des paysages, à une baisse de la pollution visuelle, notamment dans les entrées de ville, mais pas que, y compris dans les centres-villes, mais aussi, et pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, dans une claire volonté de réduire l'incitation à la consommation. Et donc ça fait aujourd'hui l'unanimité parmi les élus métropolitains. On voit bien l'accélération des prises de conscience à ce niveau-là. Oui, alors tout le sujet du numérique responsable. Alors nous, on a une toile de fond qui a été là aussi votée par les élus, puisque les deux collectivités ont voté un plan d'action sur le numérique responsable qui est une obligation légale, mais donc on avait un petit peu anticipé. Et effectivement, maintenant, la direction de la communication se saisit du sujet. C'est un petit peu compliqué puisqu'on en a beaucoup parlé. Il y a énormément de coûts induits dans ce domaine-là. On a fait une première expérimentation sur l'un des sites qu'on gère là récemment en divisant par 25 la consommation énergétique du site, le poids du site. On a vu donc effectivement les énormes marges de manœuvre et les marges de progression qu'on pouvait avoir dans ce domaine-là. Pour ne pas être accusé de greenwashing et surtout pour avoir une démarche la plus sincère possible et la plus efficiente possible, nous avons décidé d'essayer d'établir un référentiel pour essayer de savoir quelle était notre consommation, notre impact carbone, notre empreinte carbone à l'instant T. Et nous nous sommes adjoints les services de ce qu'on appelle un ACVIS, un analyste du cycle de vie. Il y en a quelques-uns qui commencent à apparaître sur le marché et qui va venir nous aider à mesurer à l'instant T notre empreinte carbone et notre consommation. Donc on a 12 journées de travail sur l'ensemble de notre écosystème numérique. Et normalement, en janvier 2023, nous avons un certain nombre de chiffres opposables qui nous permettront un an plus tard, puis deux, puis trois ans plus tard, de montrer à quel point nous avons agi pour réduire notre empreinte carbone en matière de numérique. Et l'un des grands enseignements que nous pouvons tirer aussi, c'est qu'en tant que collectivité et donc porte-drapeau d'un certain nombre de politiques publiques localement, nous entraînons. Il y a un vrai effet d'entraînement sur tout un écosystème local, qu'il s'agisse de l'ensemble des acteurs, salles de spectacle, etc., qui sont SPL, office de tourisme, qui sont tous producteurs d'outils numériques et qu'on arrive à embarquer là-dedans dans des groupes de travail pour industrialiser, si j'ose dire, le processus, avoir des cahiers des charges les plus vertueux, les plus radicaux possibles dans la matière. Alors la radicalité, c'est quelque chose qui se mesure, encore une fois, ce n'est pas que de l'intention. Donc voilà, on est au début de ce processus-là, mais il est quand même largement engagé. Alors j'avais une dernière question à vous poser qui est sur les enjeux de formation dont on a beaucoup parlé depuis le début. Erwan Leclerc, comme je le disais, hein, n'a pas pu être avec nous, me disait que de toute façon la communication publique ne pouvait plus passer à côté de la communication mieux faite. On va dire que c'est plus la cerise sur le gâteau, mais le gâteau, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Et que encore, bah, évidemment, certains élus sont en retard en la matière. Il y a besoin de former les élus. C'est ce que vous faites aussi, vous entourez d'acteurs aussi pour informer. Alors d'abord, que les vôtres sont très formés. Non, d'abord, j'ai une petite pensée pour Erwan, s'il nous regarde, j'espère qu'il se remet bien de son Covid. Les élus ont besoin d'être formés comme tout le monde. Jean Jouzel, dans son dernier rapport, effectivement, soulignait l'importance de la formation, non seulement dans l'enseignement supérieur, mais tout au long d'une carrière, en soulignant la responsabilité aussi des entreprises et des collectivités dans la formation et des élus et des personnels. Donc les élus ne sont pas autrement que les autres. Ils sont même aux premières loges pour réagir peut-être un peu plus rapidement. Donc oui, ils ont besoin de formation, comme nous avons besoin de formation. Bon, sur une métropole comme Rennes et une ville comme Rennes aujourd'hui, l'ensemble des élus ont été formés à la fresque du climat. L'ensemble des membres du comité de direction aussi. On a formé des fresqueurs qui portent la bonne parole et qui forment l'ensemble des personnels. Les 6000 agents, normalement, dans les mois qui viennent, devraient être formés à la fresque du climat. Et nous avons engagé un processus itératif avec le Chief Project
au niveau du comité de direction, avec une première séance qui s'est tenue il y a quelques semaines d'acculturation aux enjeux du shift avec les 4 scénarios. On a choisi le scénario le plus radical et on va avoir un certain nombre de rendez-vous avec eux pour voir effectivement comment nous pouvons nous engager, comment nous pouvons agir dans ce cadre prédéfini. Dernière précision, aujourd'hui, les consignes que nous avons en tant que directeur de la communication, mais directeur d'une collectivité, parmi les directeurs d'une collectivité comme Rennes, c'est quand on fait remonter des notes sur n'importe quel projet dans n'importe quel secteur d'activité, de ne pas offrir une alternative entre un projet et un projet plus radical, par défaut de considérer la solution la plus radicale comme celle qu'on fait remonter, et d'attendre un arbitrage éventuellement édulcoré. Donc ça change complètement le paradigme, et c'est relativement motivant, je dois le dire. Alors, est-ce que ça vous inspire des questions, des commentaires, des témoignages? Voilà, Ralel Gaïji, on va vous tendre un micro, vous en prie. Oui, peut-être juste sur les outils, j'ai entendu beaucoup parler de la fresque du climat depuis tout à l'heure. C'est un très bon outil pour vulgariser ce que fait le GIEC, mais je vous conseille un autre outil qui s'appelle Novi Bas Carbone, qui est un très bon outil. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé avant, mais c'est un très bon outil pour parler plus de l'engagement, enfin déjà pour mieux mapper les choses, pour parler du numérique. Par exemple, ça démontre plein de choses au niveau du numérique, au niveau de combien la consommation de viande qu'il faut baisser, etc. Donc je vous invite vraiment à contacter l'association. Après, il y a l'outil de l'ADEME sur l'empreinte carbone qui est excellent aussi, hein. Et le nouveau guide de vraiment, moi pour le coup j'ai pris un petit coup, je me dis merde, il faut que je devienne végétalien, enfin bon. mais déjà que je suis végétarien, donc du coup, mais bon, c'est juste pour dire que ça amène en tout cas beaucoup de réflexions pour le numérique aussi. Donc du coup l'ADEME a sorti un rapport où ils expliquent justement qu'en fait c'est dans la production, par exemple pour les panneaux numériques. Surtout, en fait, vous le voyez, en termes d'analyse de cycle de vie sur le numérique, vous avez complètement raison. C'est pas la consommation, on va dire, au moment X, mais c'est vraiment le matériel en soi qui est énergivore et qu'il faudrait casser l'obsolescence programmée par rapport à ça. Mais c'est des choses encore qui nous dépassent. Mais pour revenir à ce que vous avez dit, je trouve que c'est vraiment très bien ce que vous avez fait par rapport à la publicité numérique. C'est vraiment en fait quelque chose qui est dans l'air du temps de venir là-dedans, mais c'est aussi un lent combat, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lobbying pour aller vers le numérique et des pressions économiques. C'est-à-dire qu'en gros, quand les afficheurs viennent vous voir pour vous vendre du numérique, enfin pour vous dire utiliser le numérique, en fait, bah, il y a beaucoup d'argent en jeu en fait dedans parce que c'est beaucoup plus efficace. Et je tiens à vous féliciter pour avoir fait ça. Surtout féliciter les élus. Non, mais c'est très courageux parce qu'on sait qu'en termes d'argent, ça représente quand même des choses aussi derrière les mobiliers urbains et tout ça. Donc c'est vraiment une bonne chose. Il y a d'autres villes qui font pareil. Il y a Lyon, il y a Grenoble qui avance aussi dans ce sens-là. Et il y a d'autres villes qui peuvent aller vers ça. Et dernière chose par rapport aux questions donc de sobriété et de sensibilisation. Donc je pense que par rapport aux écoles, ce que vous avez dit, c'est très intéressant, parce que le facteur environnemental, changer l'environnement, c'est un facteur d'influence en fait assez énorme. Et après, par rapport à la question de la communication, de la publicité, donc il faut savoir que vous pouvez aussi, enfin en tout cas, vous pouvez sensibiliser les parents d'élèves pour qu'ils mettent une motion en fait qui demande à ce qu'au niveau vestimentaire, il y ait des limites qui soient posées. Par exemple, les sacs des enfants où c'est Princesse des Neiges pour les filles et Cars pour les gars. Ça, il faut que ça cesse. Non, mais vraiment, c'est de la genrification directe qui amène en fait des conséquences en fait derrière. Et bon, on a des limites, on ne peut pas tout faire, bien sûr, comme vous le dites, mais voilà, on peut essayer aussi d'agir à ce niveau-là. Merci, je crois que Gildas Bonnel voulait... Oui, juste une question, monsieur. L'impulsion, très sincèrement, elle vient d'où? C'est-à-dire, vous êtes un homme de communication, je pourrais vous poser la question, mais pas de la même, c'est ça qui m'intéressait. Dans nos écosystèmes, il y a eu référence tout à l'heure, de décision, est-ce que vous pouvez nous dire précisément... Ça commence où? C'est déclenché où? Et est-ce que vous êtes un communicant qui avait pris tout d'un coup mesure d'une attente politique que vous avez eu à gérer avec tout ce que ça peut vouloir laisser penser de peut-être de frustration ou de réorganisation du service? C'est exactement ça. Vous voulez bien nous le raconter en deux mots? Parce que on essaie de comprendre aussi qu'est-ce qui fait la décision et qu'est-ce qui fait... vous pouvez y répondre. C'est les charmes de la démocratie. C'est-à-dire qu'à un moment, et là incontestablement, l'impulsion vient des élus.
aucune langue de bois dans ce que je dis. C'est-à-dire que, alors, dans un dialogue avec la population, avec un certain nombre d'acteurs qui agissent et qui agissent de temps en temps de manière un peu extrême, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce dialogue-là. Si les gens sont insatisfaits, ça se sent non seulement dans les urnes, mais aussi par des manifestations sur la place publique qui montrent qu'il y a un certain nombre de faits qui, enfin, ou d'habitudes qui doivent être changées. Et donc, à un moment, effectivement, les élus considèrent, parce qu'ils ont un certain nombre d'informations sur l'état des nappes phréatiques, sur l'état de etc., etc., considèrent que ça n'est plus possible de ne pas agir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des élus, je parle de ceux que je connais, mais je pense qu'on peut généraliser, ont intégré le fait qu'on ne va plus leur reprocher d'être radicaux, mais on va leur reprocher de ne pas, et très rapidement, de ne pas l'avoir été assez. Ça, c'est sûr, c'est certain. Sur la rareté des ressources, sur la gestion des ressources, il est très clair aujourd'hui qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Alors après, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait par exemple que la densité urbaine, le fait de construire en hauteur, etc., c'est la solution la plus écologique. On le sait parce que tout le démontre. C'est un message très difficile à faire passer, y compris vis-à-vis des gens qui sont les plus sincères dans leur démarche de contestation de ce genre de politique et qui sont en général des gens qui sont pleins de bonnes intentions. Et donc cette dialectique, cette confrontation est complexe et c'est notre boulot que d'aller au contact, d'essayer d'avoir une pédagogie la plus claire possible. Bon, ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, oui, c'est les politiques qui sont à l'origine. Merci. Oui, Cécile Flamand, vous pouvez répondre, bien sûr. L'impulsion, quoi, l'étincelle, elle vient des élus. Plutôt, quoi, il y a, entre impulsion et étincelle, c'est le démarrage, oui, il vient des élus. Après, dans le quotidien, dans chacun des sujets, on est, quoi, tout à l'heure, tu le disais, on a tellement de sujets à traiter dans une collectivité qu'en fait, on est très vite rattrapé. On avait cette orientation, on avait cet objectif-là, mais en fait, ça se confronte à tellement d'autres problématiques, d'autres points de vue, que en fait là, notre rôle, nous, de communicants, c'est aussi de rappeler la ligne, quoi. Il y a parfois des choses qui se confrontent et qui ne tendraient pas au choix de la rupture écologique, quoi. Et parce que on faudrait peut-être passer de la transition à la rupture tellement il y a urgence, en fait. Et que, donc, dans des arbitrages, en rappelant la visée, on arrive à regagner, et y compris des élus qui s'étaient... Je ne vais pas dire qu'ils s'étaient perdus, c'est pas du tout ça, mais en tout cas, qui étaient confrontés à d'autres choix qu'ils ont pensé plus important à ce moment-là, quoi. C'est pas ça, très ça. Ça peut arriver. Peut-être commenter. Il y a une dernière question parce qu'on va bientôt arriver. Les agents, voilà, il y a une dernière question parce qu'après on arrivera à la conclusion. Je vois le temps qui file. On en aura déjà passé presque 2 heures, mais le sujet est tellement dense. Mais dites un mot et allez-y, Monsieur Rira. Je crois qu'il y aura une dernière. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, mais c'était pour répondre sincèrement en fait à votre question. Oui, les élus nous ont imposé et j'ai eu à gérer ma propre frustration. Évidemment, j'étais ravi d'avoir des écrans lumineux pour numériques pour communiquer, c'était d'une efficacité redoutable. Et à un moment, on m'a dit oui. J'avoue que j'étais pas ravi et j'ai fait ma propre mue. Et aujourd'hui, je le porte et je le porte sincèrement parce que oui, effectivement, on est passé à autre chose et on y est passé très vite. Donc, ce genre de frustration se gère. Je ne parle pas des opérateurs qui, eux, ont non seulement une frustration, mais un modèle économique à réinterroger. Mais c'est la vie. Merci. Allez-y. Au sens littéral. Oui, merci. Je représente le réseau des communicants publics, puisque j'anime la coopérative Capcom, qui fédère les communicants publics depuis 30 ans, à peu près. Je prends la parole, mais en fait, c'est peut-être pas utile, parce que vraiment, sincèrement, tout est dans l'ouvrage, dans ces 140 pages. Je me réjouis vraiment qu'il y ait une dimension communication publique dans cette édition-là, et je suis content qu'on y ait contribué astucieusement, puisque ça a été réalisé à partir de réunions qu'on a fait avec les communicants publics, avec des entretiens, avec des contributions. Enfin voilà, c'était un vrai travail, comme tout le reste de l'ouvrage, mais aussi cette partie communication publique. Je vais juste faire passer deux messages. Là, le premier message, c'est que
J'ai sincèrement l'impression que les communicants publics aujourd'hui sont dans la, comme on disait tout à l'heure, dans la troisième phase de l'évolution de la perception des enjeux. C'est-à-dire que après l'éco-conception, après le message, aujourd'hui ils ont conscience de leur responsabilité, de communicant, de leur responsabilité de communicant public et par rapport aux enjeux de la transition écologique. La deuxième chose, c'est que je crois qu'ils ont conscience aussi que dans les prochaines années, la communication publique, elle devra nécessairement prendre plus de place, être plus audible, être plus performante, être plus présente, et notamment au regard de la communication des entreprises, qui aujourd'hui, vous savez, la communication publique, c'est assez marginal dans la société, et c'est pas elle qui définit, comme on dit, nos envies, nos désirs, notre mode de consommation. La communication publique, c'est accompagner les politiques publiques, accompagnées dans l'élaboration des politiques publiques et dans leur mise en œuvre. Et je crois que les politiques publiques prochaines, elles vont quand même être difficiles à faire passer. Et on le voit quand on met une taxe sur les produits pétroliers, ce que ça peut donner. Et c'est que le début de politiques publiques vont être difficiles. Et si elles sont difficiles, il va falloir les accompagner plus fortement en communication. Pour vous donner ça, je vais dire juste un tout petit exemple en une seconde. Aujourd'hui, les collectivités locales, elles tentent d'éteindre l'éclairage public la nuit. Eh bien, essayer de faire comprendre à une population, aujourd'hui à des habitants, qu'il faut éteindre. Ça veut dire changer la conception qu'on a de la nuit, de la peur du noir, changer la croyance que quand on éteint la lumière au milieu de la nuit, on crée de l'insécurité, alors que toutes les études démontrent le contraire. C'est faire comprendre les problèmes de santé que représente la lumière par rapport au sommeil. C'est de faire comprendre les problèmes de biodiversité liés à cet éclairage. Enfin, il y a toute une nouvelles valeurs à reconstruire autour d'une simple décision qui pourtant paraîtrait évidente en termes, bien sûr, de sobriété énergétique, mais même en termes de fiscalité locale et de coûts pour la collectivité de cet éclairage nocturne. Voilà un exemple très simple pour montrer la dimension pour le communicant public aujourd'hui de l'accompagnement d'une décision publique. Voilà. Merci. La pollution lumineuse et ses enjeux. Vous voulez rajouter quelque chose? Merci pour votre témoignage. Aujourd'hui que nous sommes confrontés à la ville va communiquer dans quelques heures là sur le plan de sobriété exceptionnel pour faire face à l'explosion des prix de l'énergie. Il se trouve que l'argument financier est un argument relativement fort et où depuis des années le fait d'éteindre l'éclairage public n'est pas facile effectivement et qu'on y va petit bout par petit bout. Là, on peut y aller un peu plus massivement parce qu'on explique qu'on a des économies massives, sinon on s'en sortira pas puisque les prix ont été multipliés par 5, les factures ont été multipliées par 5. Et donc cet argument-là, avec versus des hausses d'impôts, est un argument qui aide à faire comprendre ce genre de choses. En plus de la biodiversité. Merci beaucoup. Alors, on a passé presque 2 heures quand même, et c'est pas simple à résumer 440 pages où il y a plein d'autres témoignages. En tout cas, on peut vous applaudir tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Et donc, pour conclure cette matinée de présentation de ce guide de la communication responsable, j'invite Amélie Deloche à me rejoindre. Je vous en prie, qui arrive. Qui est donc membre, on en parlait tout à l'heure, du collectif pour un réveil écologique. Vous êtes consultante aussi en influence responsable. Et je vous en prie, je vous passe la parole pour me dire ce que vous inspire ce sujet et conclure cette matinée. Je vous en prie, Amélie. Bonjour. Bonjour à tous et merci beaucoup. Je vais essayer de pas trop lire. Alors, on est revenu durant cette différente table ronde sur la communication face aux enjeux de sobriété, alors que le mot était encore absent des éléments de langage des communicants il y a un an. Aujourd'hui, sobriété rime avec nécessité. Nécessité de le voir apparaître toujours plus dans notre quotidien. Car nous le savons aujourd'hui, et plus que jamais, le temps du monde fini a commencé. Et si je reviens quelques années en arrière, en 2018, voilà ce qu'on pouvait lire comme première phrase du manifeste étudiant pour un réveil écologique auquel je fais partie. Nous, étudiants et jeunes diplômés, faisons le constat suivant. Malgré les multiples appels de la communauté scientifique, malgré les changements irréversibles d'ores et déjà observés à travers le monde, nos sociétés continuent leur trajectoire vers une catastrophe environnementale et humaine. Puis un peu plus loin dans le manifeste, nous avons besoin d'un nouvel objectif, que celui du maintien à tout prix de notre capacité à consommer des biens et des services dont nous pourrions nous passer. Alors aujourd'hui, 4 ans après, quel constat pouvons-nous faire sur l'évolution de la communication face à la réalité climatique ? Il y a indéniablement de nouvelles attentes,
d'une part grandissante de la jeune génération. Les nouveaux consommateurs cherchent du sens et de l'engagement. On attend des marques et des entreprises qu'elles proposent des produits plus vertueux, plus solidaires, plus écologiques. On attend que les entreprises arrêtent de vendre du rêve et qu'elles racontent clairement les changements à vivre, les choix à faire. Il n'est aujourd'hui ainsi pas aisé d'être un communicant. Une très grande majorité des stratégies marketing et des pubs actuelles ne devraient plus exister, car elles vantent des industries, des secteurs, des marques, des modes de vie et de consommation qui ne sont pas compatibles avec les réalités actuelles. Réformer de manière pertinente la pub et la communication des entreprises, c'est prendre ses responsabilités et se poser la question : que devons-nous arrêter et que devons-nous garder ? Facile à dire, mais la transition n'est pas facile, bien que les choses aient évolué. Ainsi, nous sommes dans l'ère du « en même temps ». Nous avons commencé une transition qui se déroule en même temps que le « business as usual ». Nous tentons de faire de la communication responsable dans un monde irresponsable. Résultat, les communicants sont dans une réelle dissonance cognitive. Les entreprises irresponsables utilisent la communication pour bien se faire voir. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le fameux greenwashing. Nous recevons chaque jour des injonctions et des informations contradictoires. Sois sobre, mais consomme. Engage-toi, mais pas trop. Nous parlons de fast fashion durable, de neutralité carbone, et d'ailleurs merci à l'ADEME pour avoir remis de la clarté sur ce terme. Nous faisons la pub des produits responsables sur des écrans lumineux. Nous mettons des affiches sensibilisant sur le rapport du GIEC et les enjeux climatiques à côté de pubs pour des vols low cost. On le sait bien chez Pour un Veille écologique. Et il y a quelques jours, nous apprenions que, comble de l'ironie, Coca-Cola est sponsor officiel de la COP27. Nous ne pourrons pas éternellement continuer à associer des mots qui n'ont pas de sens ensemble ou des messages contradictoires. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Il faut continuer à pousser pour plus de pertinence et d'engagement dans le monde de la communication. Et un autre enjeu se joue également, qui n'a pas forcément été mentionné durant les échanges, les nouvelles plateformes de communication que sont les réseaux sociaux. Les communicants professionnels doivent prendre leurs responsabilités, c'est indéniable. Mais aujourd'hui, les communicants les plus prisés et valorisés, notamment par la jeune génération, ce sont les influenceurs. Ces nouveaux acteurs de la communication pourraient orienter d'autant plus rapidement nos modes de vie vers plus de sobriété. Les influenceurs et les leaders d'opinion peuvent favoriser l'adoption de technologies, de comportements et de modes de vie à faible émission de carbone. Voilà ce qu'on pouvait lire dans le dernier rapport du GIEC. Problème. Aujourd'hui, les influenceurs, ces citoyens qui ont fait des réseaux leur métier, continuent à promouvoir des modes de vie et de consommation qui ne sont pas compatibles avec les enjeux climatiques. Pourtant, le secteur de l'influence marketing explose totalement. Excusez-moi, je me suis perdue dans mes notes. C'est le numérique qui vous... Oui, c'est le numérique. Pourtant, le secteur de l'influence marketing explose totalement. Les marques et les entreprises font d'autant plus aujourd'hui appel aux influenceurs pour vendre leurs produits. Et ces leaders d'opinion, les influenceurs, continuent à promouvoir des modes de vie et de consommation, comme je disais, qui sont à rebours des enjeux climatiques. Une étude révélait récemment que si les jeunes adoptent des bonnes pratiques concernant les enjeux climatiques et sont de plus en plus sensibilisés, la tentation des prix bas et la quête du dernier vêtement en tendance ont souvent raison des préoccupations écologiques, car alimentées par les influenceurs, les personnes les plus écosensibles finissent par succomber à la frénésie du shopping en fast fashion. Les influenceurs deviennent ainsi, grâce à leur communauté, des leaders d'opinion. Avec eux, les comportements individuels peuvent devenir des comportements collectifs. Ils ont le pouvoir de normaliser certains comportements, mode de vie, de dicter les tendances, faire acheter. Mais ils ont également le pouvoir de faire émerger, grâce à leur communauté, des comportements qui sont en cohérence avec les enjeux climatiques et qui s'inscrivent dans la transition écologique. Mais comme d'autres acteurs de la communication, il faut aussi face à une prise en compte généralisée des enjeux écologiques où certains discours ne passent plus. On l'a vu récemment avec les polémiques sur les jets privés, sur les avions, etc. Il devient ainsi de plus en plus compliqué de regarder des personnalités avec une très large audience, mais également une très grande empreinte carbone, continuer impunément leur mode de vie sans se soucier une seule seconde de leur impact. Comme il devient compliqué de regarder des entreprises avec un énorme,
impact, mettre en avant des avancées minimes pour le climat. C'est ainsi que les influenceurs doivent aussi être pris en compte dans la transition écologique comme levier de transition écologique, ce qu'on voulait souligner avec Point AV écologique. En parallèle, bien sûr, d'autres acteurs de la communication s'engagent, comme tout le monde aujourd'hui. Les enjeux climatiques sont de plus en plus présents dans les médias, sur les réseaux sociaux et de manière générale dans nos vies, c'est indéniable. Les acteurs privés et publics s'engagent. Il y a de plus en plus de ressources pour lutter contre le greenwashing, savoir si une entreprise est réellement engagée, savoir comment communiquer, sensibiliser sur les enjeux climatiques. Les réseaux sociaux sont devenus des outils puissants de sensibilisation, les plus gros influenceurs LinkedIn en France étant Jean-Marc Jancovici et Bonpote. Et pour aller plus loin, pour prendre le problème à la racine, et comme on l'a évoqué durant les tables rondes, il y a un énorme enjeu de formation. Formation des communicants, formation de l'ensemble des professionnels du secteur, incluant aussi les influenceurs, mais également et surtout des étudiants. En communication, bien sûr, mais finalement, quelle que soit la filière. Les générations qui arrivent, ma génération, a les clés pour faire évoluer les choses plus rapidement et plus ambitieusement. Et aujourd'hui est ainsi le temps des choix drastiques. Que devons-nous garder? Que devons-nous laisser derrière nous? Car la question du sens de nos actions, dans un monde si fragile, doit prendre toute la place. Et justement, quelle place devons-nous laisser et allons-nous laisser à la communication responsable versus la communication classique? L'espace public est encore accaparé de toutes parts par la publicité classique, alors qu'il peut être réquisitionné pour parler des enjeux climatiques, et nous l'avons vu avec Point Réveil écologique lors de notre campagne sur le rapport du GIEC dans le métro parisien. Si la formation des professionnels du secteur de la communication est indispensable, il est également crucial qu'elle soit suivie par des prises de position ambitieuses, notamment des entreprises, pour qu'on puisse constater qu'il y a un réel réveil écologique de ces acteurs-là. L'heure est également à plus de réglementation. La communication responsable doit devenir la norme. Des réglementations plus strictes doivent être mises en place afin de réguler plus rapidement la manière dont les entreprises peuvent communiquer. Et nous avons ainsi besoin de rendre visibles de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de consommation, plus sobres, qui s'inscrivent dans les limites planétaires. C'est ce qu'on a dit dans toutes les tables rondes aujourd'hui. En bref, il faut totalement repenser la communication pour qu'elle devienne un réel relais de transition écologique, ambitieux et pertinent. Et l'enjeu est encore plus grand que ça. Nous devons revoir et repenser nos imaginaires de consommation, nos modèles de réussite, nos leaders d'opinion. Une personne ou une entreprise peut être à l'origine de changements majeurs et la communication responsable doit aussi se porter vers ceux qui peuvent faire bouger les choses à grande échelle. Imaginez si Kylian Mbappé s'engageait pour le climat. La tâche n'est pas facile, mais de plus en plus d'acteurs s'engagent. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci à vous, Amélie, puis d'avoir ouvert sur cette dimension réseaux sociaux et influenceurs. Valérie, peut-être un dernier mot. Il va falloir rajouter un chapitre sur les influenceurs, les réseaux sociaux et tout ça. Déjà, ça va gonfler le prochain guide. Mathieu. On en parle. Voilà, vous en parlez, alors c'est bien. Et Amélie, c'est prévu. Juste un petit mot, je voudrais tous vous remercier d'être venus aujourd'hui. Merci en particulier à l'ensemble de nos intervenants aux tables rondes. Merci à l'ensemble des experts qui ont contribué à ce groupe. Au nom de Mathieu et de Thierry, voilà, on tient à dire que nous sommes à votre disposition aussi pour échanger avec vous, pour essayer de voir comment concrètement on peut mettre en pratique les principes qui sont énoncés dans ce guide. Il y a beaucoup de chapitres à ouvrir, vous l'avez compris. Le site de la communication responsable de l'ADEME est ouvert également pour pouvoir partager des nouvelles pratiques, pour pouvoir aller plus loin sur cette question des influenceurs. Une interview est déjà prévue avec Amélie, parce que là aussi, on a besoin, encore une fois, de partager les bonnes pratiques. Merci à tous, en tout cas, pour votre engagement. On a besoin de chacun d'entre nous. Et merci à ceux qui nous ont suivis juste avant que vous applaudissiez en ligne sur YouTube, sur le YouTube de l'ADEME, parce qu'on pourra aussi retrouver les replays. Donc, on pourrait le diffuser aussi autour de vous. C'est tout l'objectif. Voilà, on arrive à la conclusion. Merci beaucoup. Merci Valérie. Merci à vous tous et bonne journée.